Et voilà. Ça y est, ça commence. Alors. Je vais juste attendre que les gens rejoignent petit à petit. Déjà des gens. Cool. Donc bien, on va pouvoir commencer. Attendre encore un peu. Ah, plein de choses, plein de choses. Alors, je sais pas combien il y a de décalage. Donc, je vais poster un message et je vais voir le temps de décalage. Je poste le message maintenant. Vous me dites combien de décalage il y a. Du flux, excellent. J'ai pas encore la fibre, mais ça ne saurait tarder. On va attendre que. Pas de réponse sur le temps de décalage, mais bon, tant pis. Je dirais quelques secondes. Bon, bah, c'est parfait. Ça veut dire que vous allez pouvoir poser plein de questions. Comme ça, je répondrai aux questions en temps voulu. Alors, je vais pas pouvoir tout regarder là parce que mon écran ici, non, j'ai pas encore la fibre. J'ai du DSL, DSL2, je sais pas, je dois avoir du 40 mégabits ou 20 mégabits, entre 20 et 40. Donc, je vais essayer de faire ça bien aujourd'hui. Je suis un peu stressé comme à chaque fois que je fais un live. Je regarde s'il y a des gens qui ont rejoint depuis Twitter. Il y en a pas mal apparemment. J'ai 10 abonnements depuis que j'ai annoncé un live. Il faut croire que ça plaît. Bah, je suis plutôt content. Donc, on va changer ça. Voilà. Ouais, je suis en train de vérifier mon setup. Alors, du coup, il faut que je m'achète un troisième écran. Parce que j'ai l'écran que je vais partager qui est là. Ça, c'est mon écran de backup. Mais il m'en faudrait un troisième là. Pour avoir les détails du stream. Et le chat, ce genre de choses. Là, j'ai tout remonté. Marrant, du coup, c'est un enfer. Ouais, je connais, Lyon. Je connais. Je connais. 4 ans et demi, j'ai le même problème. Bon. Eh ben, bienvenue tout le monde. On va essayer de faire un live pour expliquer un petit peu ce que c'est que Rust pour les utilisateurs PHP. Et ça va pas être simple. Franchement, moi ça fait un an et quelques que j'ai commencé à lire le book. Donc le book de Rust, hein, on va en parler, vous allez voir. Et j'ai mis pas loin d'un an, ouais, à me lancer vraiment sur un projet. Donc je me suis lancé sur un projet open source, et plutôt qu'un projet vraiment de grosse envergure, type appli web ou jeu vidéo, ouais, on va en parler aussi. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, et pendant les 2 mois de confinement, bah, j'ai essayé de prendre le peu de temps libre que j'avais. Parce que oui, quand on a des enfants, le confinement, c'est pas facile. J'en ai profité donc sur mon temps libre pour apprendre Rust en faisant un projet. De toute façon, quand vous allez devoir apprendre quelque chose, le faire par le biais d'un projet, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Mais genre, je pense que 99% du temps, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Enfin, aux choses sérieuses. On va faire une petite intro. Go concert de Handpan à la fin, ouais. Ouais, à la fin, ouais. Pas au début, ce sera à la fin. Quand vous aurez le cerveau chauffé, je vous relaxerai et que vous vous mettrez tous à dormir. Alors voici, donc Rust, eh bien, qu'est-ce que c'est déjà? Je pense que, à mon avis, toutes les personnes qui regardent cette vidéo ou ce live savent à peu près ce que c'est. Donc Rust, c'est un langage de programmation, c'est un langage de programmation bas niveau, enfin quasiment, ouais, allez, on va dire bas niveau. Il n'y a pas beaucoup d'étapes entre Rust et finalement bah, le processeur. Et l'avantage de Rust, il y en a plein en fait. D'ailleurs, ils sont affichés de façon ostentatoire sur le site web du langage. Quand vous allez sur rust-lang.org, les performances. Donc Rust a vraiment la réputation d'être hyper performant puisque je
Je pense que c'est lié à l'écosystème et au fait que quand on va compiler une application qui est faite en Rust, quel que soit le type d'application, hein, que ce soit une application de type de bureau, une application web, une application de type logiciel de réseau ou des choses comme ça, et ben je crois qu'il s'appuie sur s'appuie pardon sur un système qui est vraiment le plus léger possible. En gros, on compile que ce dont on a besoin. Et on peut même avoir, bah, comme dans beaucoup de langages compilés, on peut avoir une compilation conditionnelle, etc., ce qui est super pratique. Et le compilateur, comme à peu près tous les compilateurs, il va procéder à des optimisations séquentielles. Donc quand il va commencer à compiler le code, il va regarder le code avant pour voir ce qui peut être optimisé, ce qui pose problème. Donc c'est typiquement à ce moment-là que Rust va se rendre compte qu'il y a des erreurs. Et l'avantage, c'est que quand il y a des erreurs, Rust ne compile pas. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais fait de langage de programmation compilé, ceux qui ont fait du web avec PHP, avec Rust, avec Ruby, pardon, avec JavaScript, évidemment. Bah en fait, PHP, JavaScript, c'est pas vraiment ce qu'on appelle des langages compilés, et on n'a pas l'habitude de voir des erreurs avant d'avoir commencé à tester le projet. Avec Rust, bah, comme la plupart des langages compilés, que ce soit Java, que ce soit C, C++, etc., bah, on va pouvoir voir des erreurs directement à la compilation. Donc c'est-à-dire qu'en gros, le projet, s'il y a des erreurs, il ne compile pas. Il y a pas mal de choses aussi. Donc la fiabilité, c'est vraiment, je pense, la marque de fabrique de Rust. La fiabilité, c'est cette histoire de la mémoire. Alors on va essayer d'en parler le moins possible dans une intro, parce que des vidéos, je vais essayer d'en faire plusieurs sur le sujet, pour que ce soit pas trop indigeste. Et la fiabilité, c'est en gros. Pour les personnes qui ont fait du PHP, de toute façon, la mémoire, vous en occupez assez rarement. Vous créez une variable, et dans quasiment tous les cours de PHP que vous avez eu, on vous aura dit, bah, une variable, c'est une boîte quelque part dans votre barre de mémoire RAM, et dans laquelle on va mettre quelque chose. Voilà, que ce soit un entier, une chaîne de caractères, ce genre de choses. Et en fait, c'est une vision un peu réductrice de ce que c'est que la mémoire, parce qu'il y a plusieurs types de mémoire aussi. Et quand on est en PHP, en fait, ce genre de choses, on s'en fiche un peu. Voilà. Des fois, on va avoir des segfaults, des segmentation faults. Enfin, c'est assez rare d'en trouver, mais on peut en trouver quand on fait des choses un peu bizarres ou alors qu'il y a des packages un peu compliqués. Il y a des choses que l'on trouvera jamais en PHP et qu'on trouve dans des langages bas niveau comme C, typiquement le fait de libérer de la mémoire. En PHP, on peut appeler un système qui s'appelle le garbage collector. Voilà, PHP, il y a un garbage collector. Le garbage collector, c'est lui, en gros, qui gère tout ce qui est dans la mémoire et qui n'est plus utilisé. Et je mets vraiment des guillemets sur plus utilisé. Parce que finalement, quand vous avez des fuites de mémoire ou des segmentation faults, c'est qu'à un moment donné, le garbage collector, il a fait trop de boulot ou pas assez ou voilà, ce genre de choses. Donc les langages de programmation comme PHP sont assez intelligents, mais bah, ils ne peuvent pas être parfaits, tout simplement. En C, parce que je rappelle que PHP, il est fait en C. En C, la mémoire, vous la gérez vous-même. C'est-à-dire quand vous créez une variable, vous devez limite. Alors, je vais vraiment imager, et en plus de ça, je ne suis pas expert en C, donc il y aura peut-être besoin de confirmation, mais je vais vraiment essayer d'imager. Quand vous créez une variable en C, vous êtes limite à la base obligé de dire combien de places vous voulez dans la mémoire pour mettre le contenu de cette variable. Et si jamais vous mettez trop de choses dedans, bah, vous avez ce qu'on appelle une stack overflow, je crois, un truc comme ça. Non, c'est pas ça. Je sais plus si, je crois que c'est ça, pour vérifier pour les experts en C qui sont dans le public. Mais en gros, si vous avez besoin de mettre un entier et que vous réservez que un octet pour cet entier, ben vous allez pouvoir avoir qu'un nombre de une certaine valeur à une certaine valeur. D'accord? Et si l'entier est signé, donc s'il y a un plus ou un moins, pardon, désolé, s'il y a un plus ou un moins, et ben en fait, du coup, ce sera d'une certaine valeur négative et une certaine valeur positive. Et ben si vous mettez des nombres supérieurs à ça, ben ça nécessite plus de place en mémoire. Donc normalement, vous n'êtes pas censé pouvoir le faire. Ça peut poser des problèmes. Donc on sait, il y a plein de façons de gérer ça. Et surtout, une fois que vous n'avez plus besoin de cette variable, il faut libérer la mémoire. Voilà. Donc on parle souvent de malloc ou malloc, donc pour memory allocate, pour allouer de la mémoire à quelque chose, et de free, voilà, ben libérer de la mémoire. Donc ce genre de choses, voilà, c'est ce qu'on fait en C. Et ben en Rust, vous n'allez jamais avoir à faire ça. L'avantage de Rust, en fait, c'est que c'est carrément la structure du langage qui fait en sorte que vous n'ayez pas besoin de savoir à quel moment vous allez devoir libérer la mémoire. C'est le langage qui vous explique comment ça va se passer.
Donc, il y a un système qui s'appelle ownership, donc les propriétés des variables. Il y a un autre système qui s'appelle le borrow checker, qui permet de transférer les variables entre différentes couches métiers. On peut aussi envoyer des contenus de variables dans des threads, ce qui est très pratique aussi quand on veut faire du multithread. Voilà, PHP, il est monothread, Rust peut être multithread. Rust, il fait aussi de l'asynchrone. Bref, Rust, ça fait plein de choses. Et l'avantage, c'est que quelque chose que vous pouvez faire dans un autre langage bas niveau, type Java ou C, bah, vous pouvez le faire en Rust. Voilà. Et vice-versa, d'ailleurs, la plupart du temps. Hein, c'est-à-dire des problématiques de logique métier, des fonctionnalités. Si vous pouvez les faire en Rust, voilà, il y a fort à parier que vous puissiez les faire dans d'autres langages. C'est juste que la structure du langage sera différente. Donc, comme vous voyez ici, on peut faire des applis en ligne de commande. Il y a un super support de WebAssembly. Voilà, donc WebAssembly, pour ceux qui savent pas, c'est quelque chose qui permet en fait d'embarquer une application dans un navigateur. Donc en gros, l'application elle est embarquée dans un fichier, qui est un fichier WebAssembly. Et ce fichier, du coup, vous pouvez le charger depuis le navigateur, avec l'API WebAssembly du navigateur, et ça vous permet en fait d'accéder à l'application avec du coup du JavaScript. Une API spécifique pour ça. C'est hyper sympa, vous allez voir qu'on peut faire des trucs super cool avec. On fait du réseau, alors le réseau c'est typiquement les serveurs web, des ports réseau, des choses comme ça, de l'embarquer, alors c'est assez sympa de pouvoir utiliser du Rust pour de l'Internet of Things, ce genre de choses, et évidemment on peut l'utiliser en production, et c'est là où je voulais en venir. Le plus gros outil que vous connaissez, je suis sûr que vous connaissez, qui est fait en Rust, c'est Firefox. Firefox, il y a plein de choses dedans, d'ailleurs je crois que Firefox join team, un truc, non, team. Non. Mozilla. Firefox. Alors, je vais juste retrouver Open Positions. Je crois qu'il y a un truc spécifique qui explique ce qu'on peut proposer. Non, c'est pas là. Open Positions. Non, c'est pas ça. Ouh, zut de zut. Bon, ça, c'est internship. Ah zut, j'aurais dû chercher ça avant. J'aurais vraiment dû chercher ça avant. En fait, il y a une page, je sais plus où. Peut-être c'est Mozilla Contribute. C'est peut-être là. Voilà. Donc un truc voilà qui a bien, bien pignon sur rue, c'est Firefox qui est fait en Rust. Et vous voyez que l'écosystème de Mozilla, il y a plein de choses. Alors, il y a du C++, du JS, du HTML, etc. Et là, il y a un Rust. Et donc Rust, c'est un langage de programmation qui est sponsorisé par Firefox. Alors il n'appartient pas à Firefox. Par contre, les logos, etc., appartiennent à Mozilla. Et en fait, Servo, qui est le moteur de navigateur web, il est vraiment fait en Rust pour Firefox. Voilà. Et voilà, comme vous voyez, conçu pour le parallélisme. Donc c'est ce que je parlais. Il y a du multithread, il y a de l'asynchrone, etc. Et Quantum aussi, c'est un projet, c'est pas, je ne sais pas si c'est encore en production, qui permet en fait d'utiliser Servo dans Gecko. Et Gecko, c'est le moteur de rendu en fait de Firefox. Et le moteur de rendu, donc c'est ce qui va vous afficher la page en fait. Il y a le moteur de navigateur web, et ensuite il y a le moteur de rendu, donc c'est ce qui transforme finalement le HTML en quelque chose de visuel. Voilà, donc Quantum, c'est le projet de Quantum, c'est l'objectif, c'est d'utiliser Servo et de le mettre en partie dans Gecko, donc Gecko, le moteur de rendu. Donc il y a beaucoup de choses, hein, et on voit aussi Dropbox, Cloudflare, il y a plein d'autres projets qui s'en servent, donc l'idée c'est vraiment d'essayer de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire, surtout sur ça, la partie ligne de commande, WebAssembly, réseau embarqué, c'est vraiment, ça couvre à peu près tout. Vous allez voir qu'on peut faire aussi du jeu vidéo, on peut faire des applications de bureau, il y a plein de projets. Rust étant un langage encore assez jeune, il n'y a pas encore de major, comme on dit, à part Firefox finalement, qui utilise Rust au quotidien en production. Voilà. Donc, un exemple de jeu vidéo qui est fait en Rust, que j'ai trouvé là, c'est Rocket. Alors, je vais juste retrouver le lien pour hop, jouer. Voilà. Ça, vous voyez, c'est un jeu vidéo, c'est dans le navigateur, c'est fait en Rust. Et en plus, vous voyez que c'est hyper fluide. Mais vraiment, genre, bon, je pense bien qu'il ne faut pas non plus des ressources de malade pour pouvoir créer un jeu comme ça. Mais il est vraiment hyper fluide. Et il marche super bien. Voilà. Ça m'amuse. Et voilà.
Et si jamais je fais plein de choses, vraiment, il rame pas du tout. Alors, je sais pas si vous le voyez avec la bande passante, la vidéo, tout ça, mais c'est vraiment hyper fluide, ça saccade pas du tout. Et je pense que si je mettais beaucoup de petits points jaunes là, ça pourrait même laguer à partir de quelques milliers, je pense. Bon, là, il faudrait des milliers de secondes, on n'est pas là pour ça. Je vais pas non plus laisser 20 minutes ouvert juste pour le plaisir des yeux, même si c'est assez sympa quand même. Voilà. Il y a plein de particules, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est les particules. Les particules, c'est aussi quelque chose qui fait ramer beaucoup. Un autre truc qu'on peut faire, c'est du web. Donc il y a un site qui s'appelle Are We Web Yet, qui permet en gros de savoir si oui ou non on peut faire du web avec Rust. Ben oui, en fait, il existe plein d'outils qui existent déjà sous forme, diverses formes pour faire des applications web en Rust. Ah tiens, alors, ah non, comment. Donc ça, c'est des frameworks communautaires, Rocket, Tower, etc. On a aussi tout ce qu'il faut pour faire de la base de données. Et vous voyez que les trois majors des bases de données sont déjà gérées, MySQL, Postgres et Redis. On a vraiment, on a des ORM aussi. Moi, j'ai déjà utilisé Hyper, qui est un outil pour faire de la gestion du protocole HTTP, que ce soit pour faire un serveur web ou un client HTTP. Donc c'est bien parce que Hyper, il peut faire les deux. Et il y a pas mal de détails aussi. Vous voyez qu'ici, il y a même des petits pointeurs pour savoir si oui ou non ce sera géré un jour. Vous voyez que SOAP, par exemple, c'est pas prêt d'être géré, visiblement. Mais vous voyez, asynchrone, c'est fait. Crypto, c'est fait. C'est fait, mais bon, c'est un progrès, hein. Il y a d'autres trucs qui sont déjà faits et qui marchent très bien. Voilà. Bref, je vais pas vous faire un topo de ce que vous pouvez voir à l'écran ici, mais on peut faire beaucoup de choses. Un exemple, c'est vraiment WebAssembly, qui marche très très bien. Hop, ça c'est fait. Un autre site qui est fait en Rust, et là vous avez, pour les gens qui font du web avec PHP et d'autres trucs, ça va être intéressant, c'est ce site-là. C'est le Rust Playground. Donc le Rust Playground, c'est un endroit où on peut. C'est l'équivalent en fait de eval.org, je pense. Pour ceux qui font du PHP, vous connaissez. Ok, ah, beaucoup de preview sur PHP 8, etc. C'est génial, super. On peut faire du PHP, on peut tester des choses, on peut le tester sur plusieurs versions. Eh bien, le Rust Playground, c'est un peu la même chose. On peut choisir le type de build qu'on veut faire. Parce que si on veut faire une appli compilée, on va voir qu'on peut le faire soit en mode debug, soit en mode release. Évidemment, le mode debug, bah, c'est pour avoir les erreurs de compilation, les détails, la stack trace, etc. Le mode release, évidemment, bah, c'est pour optimiser au maximum les performances et le poids, surtout. Pas que le projet soit trop lourd. Alors, on peut choisir ce qu'on veut faire. Alors, soit on veut faire du WebAssembly, soit on veut faire Cargo Build. On va reparler de Cargo. Les différentes versions sur lesquelles on peut effectuer les tests. On peut choisir une édition. Donc ça, c'est pareil, on va en reparler, hein, des éditions. Vous allez voir que c'est quelque chose qui avait été proposé récemment pour PHP. Et vous allez voir pourquoi c'est très sympa. Backtrace, bon, voilà. Il y a d'autres outils pour pouvoir formater le code, etc. C'est pareil, il y a plein de choses qui sont natives. Alors, dans un premier temps, c'est quoi ce Rust au niveau de nous, comment on va s'en occuper? Ben en fait, c'est vraiment la même chose que PHP. Il y a juste 2-3 trucs à installer et ça va vite. Sur Windows, alors là du coup j'utilise Windows, mais Rust il est sur toutes les plateformes, évidemment. Ben, un exemple tout bête, windows.php.net, vous téléchargez votre build de PHP selon ce que vous voulez, thread safe, non thread safe, x64, x86 pour les 32 bits. Bref, vous téléchargez votre PHP, il y a besoin de VC15 ou VC16, VC15, VC16, là. VC15, donc c'est Visual Studio Redistributable, C++ Redistributable, enfin un truc comme ça. En gros, c'est des outils de dev qui permettent d'utiliser certaines applications. Bref, donc pour PHP, c'est comme ça qu'on fait, pour Windows en tout cas. Pour Linux, Mac, bah, sur Mac en général on utilisera Homebrew, sur Linux on va utiliser la distribution native, par exemple sur Ubuntu on a déjà PHP 7.4 qui est distribué par défaut, sur Ubuntu 20, mais on peut très bien utiliser le repo debsuri, donc c'est debsuri, est-ce que je me souviens plus de l'URL, c'est deb.suri.org. Voilà, ça permet d'avoir quasiment toutes les versions de PHP, vous pouvez les installer, donc c'est un repository installé soit sur Ubuntu Debian. Bah, chaque outil de développement a besoin de sa propre méthode d'install. Si vous utilisez WSL, alors WSL c'est quand vous utilisez votre terminal. Alors je sais pas si non, je vais rouvrir. Hop. Quand vous utilisez votre terminal et vous faites bash. Si vous faites ça sous Windows et que ça marche, c'est que vous avez installé WSL. Donc c'est Windows Subsystem for Linux. En gros, ça permet d'avoir Linux mais sous Windows. Là, moi je suis sous Windows avec WSL 1, c'est la première version. Il existe WSL 2.
Et WSL2, il a plus de fonctionnalités, intégration native avec Docker, bref, c'est très sympa. Donc en gros, vous pouvez le faire soit avec WSL, vous voyez ici, soit Rustup Init. Donc Rustup, c'est le premier truc auquel vous allez avoir à faire. Rustup, c'est un outil de gestion de votre environnement Rust. On n'a pas ça en PHP, on a peut-être ça en JS, j'ai peu de souvenirs, mais avec Node.js, je crois qu'on a ce genre de choses. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui vous permet de mettre à jour tout ce qui est lié à votre environnement Rust. En l'occurrence, on va avoir ben, le compilateur, Cargo, etc. On verra après. Donc, vous téléchargez ça, idéalement sur 64 bits pour votre configuration, et après, vous avez Rustup. Voilà. Rustup a pas mal de commandes. Rustup, c'est vraiment un outil de gestion de votre environnement Rust. Et vous pouvez faire Rustup Update, parce que moi je suis sur 1.22. Je sais pas si je suis sur la dernière version. Si, si, je suis sur la dernière version. Visiblement. Voilà. Voilà, on peut voir plein d'infos. Show, donc ça permet de voir ici, vous voyez que j'ai mon environnement Rustup qui est là, la version du compilateur, etc. etc. Ça vous permet d'avoir vraiment l'environnement Rust. Ensuite, comment ça marche? Rust. PHP, hop. Je vais ouvrir ça avec PHP Storm. Je vais ouvrir ça avec PHP Storm. Hop. Je vais juste virer les lieux pour les autres projets. Alors, c'est comment? Dev. Stop. PHP. Non, Rust. Juste Rust PHP. Hop. Voilà. N'hésitez pas à commenter ou poser des questions hein, sur d'autres sujets. Voilà, Rustup PHP, pour l'instant j'ai rien, j'ai juste créé un fichier Rust. Alors comment on va l'appeler? Rest, voilà. Pour l'instant je mets rien dedans, hop, juste histoire de l'avoir en fait. Rust.index.rest, les vieux réflexes de toujours faire du vim. Donc les fichiers Rust ils ont tous une extension .rs. D'accord? Et comme la plupart des langages compilés, ils commencent par une fonction main. Ouais. Fonction main. La fonction main, c'est vraiment la fonction qui exécute votre application. Voilà. On n'est pas du tout dans du PHP. Dans du PHP, vous savez qu'il faut exécuter le fichier PHP. Le fichier PHP va être interprété et exécuté ligne par ligne dans un langage compilé. D'ailleurs, si vous faites un jour du Java, du C ou des choses comme ça, vous aurez une fonction main. C'est le point d'entrée de votre application. Pour ceux qui font du Symfony ou du Laravel, c'est l'équivalent de votre fichier public slash index.php, par exemple. Voilà. Index.php, c'est le truc qui est appelé à chaque fois qu'on lance votre projet. Ou Bing Console, ou Artisan pour la ligne de commande avec Symfony et Laravel. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette fonction? En général, ce qu'on voit, c'est, si on va dans Apprendre, il y a la possibilité de lire le book, etc. Il y a plein, plein, plein d'exemples. Vous ne serez jamais perdu. Il y a toujours ce qu'il faut. Et le book, c'est la meilleure ressource pour l'instant. Clairement, c'est la meilleure ressource. Si jamais à un moment donné vous voulez lire le book, alors malheureusement le book n'est pas traduit, évidemment, il est un peu conséquent, voilà, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, vous pouvez aussi, voilà, il y a la possibilité de changer le style de. Moi, je suis pro Dark Screen, moi. Voilà, il y a plein de choses, il vous explique dans les différents chapitres ce qui va être vu, les éditions 2015-2018, on en reparlera. Vous ne serez jamais perdu, d'accord? Et. Le texte, vraiment, c'est la version 1.41, sachant que moi, je suis, j'avais dit quoi? C'était Rustup Show. Moi, je suis sur 1.46. Ça va. Il n'y a pas trop, trop de différence. En réalité, il y en a, mais ça, il n'y en a pas trop. Donc, comment ça se passe? Vous voulez compiler votre fichier? Bah, du coup, on va commencer juste par faire le classique, le légendaire Hello World. Donc, on va utiliser, en plus, on n'utilise même pas une fonctionnalité native, on utilise, enfin, native. On n'utilise pas du Rust classique, on utilise une macro qui s'appelle println. Donc quand vous voyez quelque chose qui commence comme ça, enfin, dont le nom se termine, genre de fonction qui se termine par un point d'exclamation, c'est une macro. Voilà, en Rust, ça s'appelle une macro, mais il y a aussi des fonctions qui n'ont pas de macro. Voilà, sauf que println, ça n'en est pas une. println, c'est l'équivalent d'un echo. Voilà. Un echo qui affiche une nouvelle ligne à la fin. Sinon, vous avez print aussi. Affiche pas de nouvelle ligne. Comment ça marche? Alors du coup, je vais voir si je peux zoomer ça. Donc comment ça marche? Et ben, comme la plupart des langages bas niveau, vous allez devoir utiliser le compilateur. Donc le compilateur, une fois que vous avez installé Rustup, vous avez le compilateur sous forme, il s'appelle Rust C, donc Rust Compiler. Vous mettez votre fichier à compiler, hop,
Donc vous le laissez faire, ça va aller très vite normalement. Là, j'ai pas utilisé Rusty depuis un moment, donc je sais pas si il met des trucs en cache ou ce genre de choses. Voilà. Si je le refais, ça va plus vite. Hein. On Rusty index et vous voyez ce qu'il m'a fait. Donc pdb.exe. Alors pdb, c'est un fichier de debug. D'accord, c'est pour Windows quasi exclusivement. Je sais pas si on a ça sur d'autres. Mais vous voyez, j'ai un fichier index.exe, donc index.exe. Et quand je l'exécute, hello world. Voilà. Et vous voyez qu'il a même bien pris en compte la nouvelle ligne, etc. Si jamais je mets print tout court, au lieu de print ln, je fais rust index.php, vous voyez, ça a été plus vite cette fois. Et cette fois, il n'y a pas la nouvelle ligne. Donc ça, c'est votre point de départ. Votre point de départ, c'est toujours la fonction main. De toute façon, si vous avez fait du langage compilé avant, vous le saurez. Si vous n'en avez pas fait, ben vous découvrez. C'est d'ailleurs tout le but de cette intro pour les devs PHP. C'est vraiment de changer de paradigme. Si vous êtes dev PHP et que vous n'avez jamais fait de langage compilé, ben vous allez vraiment découvrir un nouveau paradigme. Et donc du coup, on a vraiment deux étapes. En PHP, en fait, on n'a pas autant d'étapes. En PHP, il suffit qu'on ait le serveur web. Le serveur web, il peut être démarré tout le temps. Hein. Il peut même sur votre machine locale, si vous n'utilisez pas Docker ou des trucs comme ça. Vous pouvez même faire en sorte que PHP, FPM et Nginx soient lancés en permanence, comme ça vous n'avez rien à faire. Vous mettez votre fichier index.php, vous y accédez depuis le navigateur, c'est fait. Là, non, vous codez et il faut compiler avant de pouvoir exécuter. Donc il y a une étape de plus, c'est l'étape de compilation. Et c'est vous qui devez le faire. Donc tout ça c'est intéressant, vous voyez qu'on peut faire exactement la même chose ici. Donc là, ici, vous voyez, on appelle ça une annotation. D'accord? Et c'est marrant parce que cette syntaxe, elle vient d'être acceptée pour PHP 8. Donc dans PHP 8, il y aura des annotations natives au langage. Et oui, parce qu'en PHP, les annotations, c'est pas natif. Parce qu'en PHP, vous connaissez ça. Hein, vous faites ça, hop, ORM, colonne, voilà. Hop, voilà, vous faites ça en PHP. Hein, si vous faites des annotations avec différentes bibliothèques qui nécessitent des annotations, type Doctrine, type PHP Unit. Hein, en PHP Unit, vous allez avoir Data Provider, des choses comme ça. Ça, c'est des annotations, mais c'est pas natif. C'est juste que PHP, en fait, permet de lire ce qu'il y a là dans ce commentaire. PHP le permet. Ce qui est un peu bizarre, mais ça marche. Et donc, en lisant ça, ben, on a appris la même syntaxe que Java, à savoir les arobases, et d'autres langages le font aussi. D'ailleurs, TypeScript le fait aussi. TypeScript, qui est une surcouche à JavaScript, peut avoir des annotations natives, et donc ça commence aussi par un arobase. Sauf que nous, on est obligé de les mettre là-dedans, dans le commentaire. À partir de PHP 8, et donc dans Rust, hein, puisque la syntaxe pour PHP 8 elle est vraiment inspirée de Rust, c'est dièse crochet, et ensuite bah, on met des directives qui sont des annotations. D'accord? Donc là il y en a une qui est autorisée, donc c'est les fonctionnalités du compilateur, les variables non utilisées. Les variables non utilisées, en PHP on n'aura jamais ce problème, vous l'aurez peut-être sur votre éditeur, si vous utilisez PHP Storm par exemple, et que vous avez des plugins sympas du style. Je sais pas si je l'ai. Non, c'est inspections. Non, je l'ai plus. PHP inspections. Si, tu l'as. Ah, je l'avais plus. Il faut que je le remette. Hop. Mais ouais, PHP inspections, par exemple, c'est un plugin qui permet d'avoir beaucoup plus de règles dans votre navigateur qui vont vous afficher des alertes si vous écrivez du code qui n'est pas terrible. Donc c'est intéressant puisque si vous avez des variables qui ne sont pas utilisées, l'éditeur va vous le dire. S'il y a des variables qui ne sont pas utilisées de la bonne façon, on va vous le dire. Genre par exemple si jamais vous avez un objet et que vous essayez de. Enfin vous avez une ressource, pardon, vous essayez de la sérialiser, il va y avoir une erreur, ce genre de choses. Donc ça, mais ça on peut le voir que dans le navigateur ou en exécutant le code PHP. Avec Rust, bah, ça se passe dans le compilateur. Donc vu que ça se passe dans le compilateur, bah, il faut dire au compilateur à un moment donné qu'il y a des messages qu'on ne veut pas voir, des messages d'alerte. Donc ça, c'est pour ce genre de cas. Et les bibliothèques qui sont faites en Rust, on va appeler ça des crates. Crates, je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais je crois que ça veut dire une caisse. Voilà. Mais genre une cagette, je crois. Je sais plus exactement. Je sais que crate, c'est aussi un mot qu'on utilise pour les caisses de ravitaillement qui arrivent par avion. Donc voilà, je suis pas non plus bilingue, ça suffit pas pour connaître tous les mots non plus. Bref. Donc ouais, les bibliothèques faites en Rust, qu'on appelle des crates, vont pouvoir définir elles aussi leurs propres annotations. Ce qui est le cas, par exemple, pour Hyper. Hyper qui est une bibliothèque qui permet de faire des clients HTTP ou des serveurs HTTP.
vous allez pouvoir lui dire, tiens, voilà, ça c'est la fonction principale qui va gérer le serveur HTTP, par exemple. Et c'est une annotation qui le fait. Donc ici, j'en ai pas forcément besoin, mais on va le faire. On va le faire pour voir l'alerte qui correspond à ce qu'on a dans le navigateur. Le navigateur nous dit les variables non utilisées sont autorisées. Ben, nous, c'est pas le cas. Donc on va créer une variable. Voilà. On va créer une variable, et pour créer une variable, on fait let, c'est comme en JavaScript. Jusque là, ça va, la syntaxe vous parlera. Name égale Alex, par exemple. Et vous voyez que PHP Storm, il me rajoute des infos. C'est bien parce que c'est type ints, ici. On a le même genre de choses dans PHP. Quand on fait un fichier PHP, il nous affiche ce genre de choses au début du nom de l'argument. Ça nous permet de savoir quel est le nom de l'argument d'une fonction. Ce genre de type ints ici existe aussi pour d'autres langages que PHP, dans les éditeurs de chez JetBrains. Dans l'occurrence, voilà, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, moi j'ai IntelliJ IDE Ultimate, je l'utilise pour mes prods open source. Et il y a ce petit type int ici qui s'affiche pour savoir quel est le type de la variable. Alors, une question de Alan. Quelle est la différence entre une fonction et une macro en Rust? C'est un peu avancé. Je vais pas m'avancer sur le sujet. Je pense que c'est trop pour une introduction. C'est-à-dire, à l'utilisation, vous l'utilisez comme une fonction. Enfin, quasiment comme une fonction. Voilà. On va pas aller plus loin, parce que les macros, du coup, c'est un truc déjà avancé. D'ailleurs, si vous regardez dans le book, c'est dans le chapitre fonctionnalité avancée. D'accord. C'est un petit peu comme certains trucs qu'on peut avoir en PHP, dans certains frameworks, par exemple, il existe des classes ou des choses comme ça qu'on n'est pas censé utiliser, mais si à un moment donné on veut les utiliser quand même, il faut qu'on le fasse en toute conscience, parce que ce sont des fonctionnalités avancées. Et si on n'en a pas besoin, en général, c'est qu'on fait une application qui n'est pas aussi complexe qu'il y en a l'air. Ouais, c'est ça, Frédéric le dit, en gros on copie-colle le contenu de la macro directement dans le code. C'est-à-dire que, en fait, si je regarde, je sais pas si je peux regarder la déclaration de... Non, je peux pas. Ça marche pas parce que c'est une macro qui est native. Mais on verra après, je vais utiliser une bibliothèque pour faire des logs, pour gérer des logs. Et on va pouvoir utiliser ça, vous allez voir. Mais en gros, c'est comme si, c'est exactement ce que Fred dit dans les commentaires. Littéralement, vous prenez le code de la macro et ça le copie-colle à la place de ça. Et ça va remplacer tout ce qui est là-dedans. Voilà. Ça va prendre tout ce qui est là-dedans et ça va le remplacer dans les variables qui sont définies dans la macro. Donc il y a différentes façons de créer des macros. On peut importer des macros depuis des bibliothèques extérieures. Donc moi ce qui m'intéressait surtout c'était ce letName égale Alex. Vous quand vous faites ça en PHP ou en JS, ça vous suffit. Là vous voyez qu'il y a un 2.esperluette.str. Sachez que si je le rajoute à la main, c'est la même chose. C'est juste que je l'ai écrit. On appelle ça la type inference. C'est-à-dire que PHP Storm il affiche le type de la variable parce que le type a été inféré de par son contenu. Le contenu, c'est une chaîne de caractères. On appelle ça une chaîne de caractères littérale parce qu'elle est écrite en dur. Donc ça, c'est une chaîne de caractères littérale. Et ça, c'est une chaîne de caractères littérale. Comme en TypeScript, exactement. C'est juste que toutes les chaînes de caractères littérales sont des références. C'est un peu compliqué pour une intro, mais il faut savoir que les chaînes de caractères littérales sont des références. Voilà. Si vous avez fait du PHP avec des références, et que vous savez ce que c'est qu'une référence, parce que c'est pareil, hein, PHP c'est développé en C, C a un support des pointeurs et des références, PHP a un support des références. Un exemple tout simple en PHP, tous les objets sont des références. C'est-à-dire quand vous passez un objet dans une fonction, vous ne passez pas une copie de l'objet, vous passez une référence vers cet objet. Voilà, donc c'est-à-dire que là, si je mets du code PHP ici, function something, j'ai besoin d'une request par exemple. Hop. Voilà. Un exemple comme ça. Et ensuite, moi je veux exécuter, donc request égale new request, peu importe, et something request. Mais en fait, c'est un objet, donc c'est une référence. Donc si je fais request. D'ailleurs, vous l'avez déjà expérimenté, même si vous n'en avez pas conscience. Hein. My var égale 1. Et bien ici, je peux faire echo request my var, et ça affichera 1. Très important, ça. C'est très très important, parce que si je fais la même chose, mais avec une variable qui n'est pas un objet,
eh bien ça va pas fonctionner. Autre exemple, du coup, function increment integer i. Je vais voir si je vais peut-être plutôt créer un fichier PHP de test. On aura la coloration syntaxique, l'auto-syntaxique. Ah, ça pourrait être un bon nom de gaulois dans les Astérix, ça. Coloration syntaxique. Bref. Passons les blagues. Hop. Voilà, je vais avoir mon index en PHP, comme ça vous pourrez le voir. Hop. Voilà. Super. Hop, je passe évidemment en PHP 7. Je vais même passer en PHP 7.4. Parce que bon, hein, quand même. Voilà, j'ai un interpréteur PHP 7.4 configuré. Increment i, donc i++. Voilà, truc classique. Déjà, vous voyez, mon inspecteur me dit cette variable n'est pas utilisée. Voilà, ça veut dire qu'il y a un problème. Quand vous utilisez un éditeur comme ça, allez toujours chercher les petites barres orange, jaune et gris, et rouge là. S'il y a un problème, vous devez le corriger avant même de déployer en prod. Ça, c'est la petite remarque des psychopathes. Et donc si je fais a égale 1 et que je fais increment, et ben si je fais et que je fais echo a, ça m'affiche. Petite question. Qui a la réponse? Si je fais a égale 1, que je fais increment $a et que je fais echo a, qu'est-ce que ça m'affiche? Il n'y a pas trop de décalage normalement avec le live, donc vous devriez pouvoir répondre. Merde, j'en ai plein. T'en as plein de quoi? Ah, des mutables. Ouais. Et bien Alan a raison. Effectivement, ça affiche 1. Ça affiche 1 parce que on va incrémenter la variable à l'intérieur de la fonction increment. Et lorsqu'on passe la variable A à la fonction increment, on lui passe une copie. PHP est assez intelligent pour pas toujours faire une copie dans la mémoire, parce que si j'avais un range 1, un tableau avec des millions d'éléments, en fait, ça serait un peu compliqué de devoir copier ça dans la mémoire. Imaginez un tableau qui fait 500 000 éléments, ou un million d'éléments, ou je sais pas quoi, et vous copiez ça dans la mémoire. Donc, voilà, vous doublez quasiment la consommation de mémoire, et ça peut aller très loin comme ça. Donc PHP, il est assez intelligent pour faire ce qu'on appelle du copy on write. Donc en gros, là, il va... Si vous lisez la valeur, genre comme ceci, il va pas la copier dans la mémoire. Par contre, il va récupérer l'information dans la mémoire et la lire, voilà, pour la lire. Mais si jamais vous faites i++, comme ceci, là, ce qui va se passer, je vais faire un echo i, comme ça il va arrêter de râler. Là, ce qui va se passer, c'est que il va récupérer la valeur initiale de i, il va la mettre dans une nouvelle variable, qui contient le même contenu à la base. Et c'est la nouvelle variable qui va changer. C'est des copies on write. Tant que vous ne modifiez pas le contenu de cette variable, ça ne consomme pas plus de mémoire. Et c'est très sympa, très pratique. Si en revanche, vous voulez que ici ça affiche 2, vous faites ceci. Vous rajoutez un esperluette et vous dites à PHP, attention, ici je vais lui passer une référence. Voilà. Normalement, c'est plus avant on pouvait le faire comme ça, mais c'est plus nécessaire. Donc il faut le faire dans la fonction. Vous dites que vous passez une référence. Et là, normalement, ça affiche 2. D'ailleurs, je suis presque sûr qu'on peut l'exécuter et voir ce que ça donne. Allez, si ça affiche 1, vous pouvez me taper dessus. Comment je peux faire? Je vais juste rajouter un PHP script. PHP script. Hop. Index. Et voilà. Tout ça pour ça. index.php. Voilà. Default Project Interpreter, bref. Et on édite tout ça. Voilà. Affiche 2. Parfait. Je ne me suis donc pas trompé. Donc on l'a passé par référence. Donc c'est-à-dire que la fonction nous dit directement. Oula. Je ne sais pas pourquoi il synchronise avec le système de fichiers. Voilà. Donc ce qu'on a mis dans la fonction ici, donc le petit esperluette, va dire à PHP, attention, ce qui est passé comme argument ici sera toujours une référence. Donc si jamais on modifie le contenu de cette variable, ça modifie ce qui a été passé, ça modifie la référence. Et bien en Rust, si jamais il veut bien me rouvrir mon IDE correctement, hop, en Rust, il va falloir aussi définir si vos variables sont passées par référence ou pas. Donc si vous avez une fonction increment, et que vous passez integer, et donc ce serait... Alors,
Si c'est un entier, ce serait un U8 pour un petit nombre. Hop. Et bien vous allez avoir une variable integer. Donc là, du coup, en PHP, on met le type avant. Paul Andrieux, le NyanCat. Oui, le NyanCat, c'est un plugin. Donc en PHP, on met le type avant. En Rust, on met le type après. Bon, c'est pas, c'est juste vraiment, c'est juste de la syntaxe. Hein, c'est pas du tout un problème. Et donc ici, si je veux l'incrémenter, ce qu'il y a dehors, il faut que je fasse ça. C'est donc une référence vers un entier. Là, c'est pas une référence vers un entier. D'accord ? Si c'est pas une référence, dans ce cas-là, faut que ce soit passé, enfin, faut que la propriété soit transférée. Ça, on verra ça une autre fois. Ou qu'on envoie un clone. On verra bien. On commence à avoir beaucoup de choses. Donc les chaînes de caractères, il y a deux types de chaînes de caractères. Il y a les chaînes de caractères littérales, qui doivent quasiment tout le temps être des références, je pense dans 99,9% des cas. Et sinon, on peut avoir des objets. Et oui, Rust, c'est orienté objet. Let object name. Et là, on va utiliser l'objet string natif de Rust. String from Alex. Et là, du coup, vous voyez qu'il va faire de la type inference. Quand il voudra bien se mettre à jour. Voilà. Il ne le fait pas, tiens. Je sais pas pourquoi il ne le fait pas. Il y a un problème avec ce dossier-là. Mark. Je pense que ça pose un problème. Donc ici, en gros, j'ai un objet string. Voilà, qui est, le type, c'est string. Et j'utilise string from Alex. Tout simplement. Alors, j'ai peut-être oublié un truc. Non, j'ai pas oublié un import. Il y a une autre solution aussi, et c'est ça qui est bien avec Rust, c'est comme en PHP, il y a plein de façons de faire certains trucs. Je peux récupérer ma chaîne de caractères, je peux récupérer ma chaîne de caractères littérale et la transformer en une chaîne de caractères au format objet. D'ailleurs ici, peut-être qu'il va me l'afficher, je sais pas. Il fait plus la type inference là. Il le fait plus. Bon, bah tant pis. On va fermer, ouvrir. Oui, je le fais pas. Ouais, là il le fait, donc c'est dommage qu'il le fasse pas. Mais bon, en gros, c'est ça. Donc c'est un objet qui est une instance de string. Et donc le comportement des objets et des chaînes de caractères littérales n'est pas le même. Voilà. Donc je vais vraiment m'arrêter là pour la partie de base. Et pour tout ce qui est chaîne de caractères et littéral, si vous voulez le voir tout de suite, je vous invite à regarder le book Rust pour la partie chaîne de caractères. Voilà, c'est chapitre 8, les chaînes de caractères. Normalement, on a déjà utilisé les chaînes de caractères au moment où on lit le book. Hein. Mais il y a vraiment une différence entre les chaînes de caractères littéral et les objets. Je sais pas s'il y a une explication plus loin dans le book. Non, il n'y a pas plus. Voilà, le book est assez assez étendu. À titre perso, d'ailleurs, je suis pas du tout un expert en Rust, en fait. Hein. Malheureusement, j'aurais bien aimé, mais ça fait que quelques mois que j'en fais. Je pense que je me suis arrêté au chapitre 11. Enfin, je dois commencer le chapitre 11. Donc j'en suis à la moitié, quoi. Bon. C'est assez fou, mais j'ai passé finalement la première moitié du book à faire mon projet. Donc c'est pratique. Alors, pour la concaténation, ça va être compliqué, mais je vais vous montrer une façon simple de le faire. println utilise un petit peu le même genre de formatage que sprintf en PHP. À ceci près qu'au lieu de %s, on va mettre des accolades. On met une accolade et ensuite on injecte name. Donc, si je compile ça, c'est index.rs et qu'ensuite je l'exécute. Vous voyez qu'il me fait bien Hello Alex. Il a bien fait de la concaténation. Donc on peut faire de la concaténation avec l'équivalent de sprintf. Donc cette histoire de type ici, expert8str, hein, c'est vraiment la même chose que tous les langages de typage strict. Le typage strict A. type, voilà, avec TypeScript, vous pouvez faire en sorte que ce soit strict. Java, c'est strict. C Sharp, c'est strict, etc. Donc moi ce que je voulais aussi, c'était compiler ça et voir les alertes. Vous voyez. Donc le compilateur ici, il me donne une alerte. On voit la warning.
Cette alerte, elle me dit que les variables sont, enfin que la variable ici n'est pas utilisée. Donc regardez bien un petit peu la qualité du message d'erreur de Rust. Alors quand vous en avez plein, évidemment, vous allez en avoir ras-le-bol, mais très franchement, la qualité des messages d'erreur, c'est le truc qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à m'en sortir presque seul. Vous voyez qu'il y a vraiment une indication sur où a eu lieu le problème. Là, en plus, c'est juste une warning, donc ça pose pas de problème. On peut désactiver à la demande cette alerte, soit en rajoutant un underscore. Vous allez voir que l'underscore, il est très utilisé justement pour éviter certains cas, parce qu'en fait, il y a des fonctions qui nécessitent un argument. Le problème, c'est que cet argument, vous savez que vous en servirez pas. Voilà, c'est pas obligatoire, vous savez que vous en servirez pas. Donc dans ce cas-là, vous pouvez le commencer par un underscore ou mettre juste underscore, et vous n'aurez pas l'erreur sur ces alertes unused variable. Et petite note ici. Vous pouvez constater, pardon, que l'annotation warn unused variables est active par défaut. C'est une annotation que je pourrais mettre, moi, sur ma fonction main. Ça ne change rien, en fait. Ça ne change rien du tout. La seule chose qu'il fait, c'est que, il explique d'où, enfin, où a été défini le comportement de cette warning. Qui joue quand même vachement cool. Si jamais je fais allow unused variable, comme on a vu tout à l'heure sur le Rust Playground, l'alerte disparaît. Et donc, aucun message, puisque du coup, je ne fais même pas de printemps. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que tu as déjà joué avec un framework web? Alors, pour créer des applis web, non, pas encore. Tout simplement parce que bah, je pense que en fait, PHP, c'est très bien. Tout simplement. PHP, il est performant, c'est facile. Moi, ça fait 12 ans que je fais du PHP, donc au bout d'un moment, on a l'habitude. 12 ans de PHP, j'ai fait plusieurs frameworks, donc au bout d'un moment, je sais comment faire une application web rapide, performante et facile à maintenir avec PHP. Donc pour l'instant, j'ai pas trop vu l'intérêt, si ce n'est pour vraiment s'amuser avec. Sur le site de tout à l'heure, arewewebyet.org, on peut le mettre en HTTPS. Ouais, ça marche. Vraiment. Il y a tout un tas d'explications sur les outils liés au HTTP. Et pour faire un serveur, on a Hyper, qui fait vraiment très bien le boulot. Et on a TinyHTTP, qui est vraiment l'équivalent de... Ah, il y a un truc qu'on utilise souvent avec Node.js pour démarrer un serveur HTTP rapidement. C'est Sample Default Web Server, ou Simple Web Server, c'est comme ça, je ne me souviens plus. Il y a de quoi faire un client et un serveur avec HTTP2, etc. Voilà, vous voyez une implémentation WebSocket, etc. On peut même faire du FTP et du FastCGI. D'ailleurs, FastCGI, je m'en sers, pas pour rien. Et du coup, pour répondre à la question, quels sont les cas d'usage pour toi avec Rust? Eh bien, bon, allez, on va en parler. Le cas d'usage que j'ai avec Rust aujourd'hui, c'est ça. Symfony, donc c'est une version open source et en Rust du binaire Symfony. Alors, c'est vraiment... Là, work in progress, il faudrait que je le mette en gros et en rouge, parce que je suis en train de travailler dessus. Il y a des gens qui me filent un coup de main, donc ça c'est les contributeurs actuels, mais en fait il y a une pull request en cours avec deux autres contributeurs, ici. Deux autres contributeurs, oui je crois. Au moins, enfin au moins. donc c'est bien parce que du coup le projet il intéresse, donc moi c'est super sympa, et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il y a des gens qui contribuent à ce projet-là sans rien y connaître à Rust. Souvenez-vous bien de ce que je viens de dire. Une personne qui a contribué au projet, qui a contribué à cette grosse pull request, alors évidemment, c'est une grosse pull request, mais par itération, qui a contribué au projet juste en ne connaissant rien à Rust, mais juste avec ses connaissances en termes de programmation. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous faites du PHP depuis assez longtemps, vous comprenez bien comment fonctionne PHP, comment fonctionne le protocole HTTP, ce genre de choses, enfin, quoi que HTTP encore, c'est même pas une obligation, et bien vous saurez. De base, comment utiliser Rust. Les seules choses auxquelles vous allez vraiment vous confronter, et là du coup c'est vraiment une alerte, c'est ce qu'on appelle le borrow checker et le système d'ownership. Donc ça fait l'objet de plusieurs chapitres dans le book. Le chapitre 4 ici, voilà, Understanding Ownership. Et l'explication la plus simple, elle est vraiment donnée ici. Non. Ici, c'est ça. Non, c'est pas ça. Alors c'est où? Ouais, c'est ça, référence et borrow. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'explications. Je crois que celle-là, elle renvoie une erreur. Non, c'est pas ça. Alors, il y a un exemple qui est
tellement clair. Voilà, c'est ça. Bon, on va peut-être faire version simple. Lettre A égale... Ah, mais même avec les chaînes caractères littéraires, je sais même pas si ça va le faire, en fait. On va le faire avec un objet. Ok. Lettre B égale A. Ça, vous le faites avec PHP, pas de problème. D'accord? Si je fais println... Voilà. Une concaténation, hein, on est obligé. D'ailleurs, je vais le... Ouais, si, ça marche. Je suis pas obligé de le faire dans l'éditeur, hein, ça marche ici aussi. Vous pouvez voir que là, ça va fonctionner. Voilà, ça fonctionne. Hello, ça marche. Si maintenant je veux afficher A, c'est là que je suis sûr que ça va pas fonctionner. Enfin, ça va pas faire. Si, c'est exactement ce qu'il fallait. Voilà, vous avez vu? Très important. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Allez, petite intro maintenant au système de ownership et de borrowing. C'est vraiment le truc avec lequel vous allez vous confronter si jamais vous vous mettez à Rust. C'est vraiment le truc le plus inhabituel pour nous en tant que dev PHP. D'abord, vous créez une variable hello string, enfin, qui contient hello sous forme d'une string et que vous placez dans la variable A. D'accord? Ça veut dire que tout ça, donc un objet string qui contient la chaîne de caractères hello, devient la propriété de A. C'est A qui est le propriétaire, le landlord. Ensuite, vous créez une nouvelle variable dans laquelle vous mettez A. Ça veut dire que vous prenez tout ce qui est dans A et vous le mettez dans B. B devient donc propriétaire de ce qu'il y a dans A. D'accord? Ce qui veut dire que A n'est plus propriétaire de son contenu. Donc on ne peut plus utiliser A à partir de cette ligne. Donc A est propriétaire de hello. D'ailleurs, je vais mettre string from hello, voilà, c'est la même chose. A est propriétaire, d'accord? On va faire plutôt avec A. Et ici, B devient propriétaire du contenu de A. Ok? Ça veut dire qu'ici, ici, donc même à partir d'ici, A devient inutilisable. On ne peut plus utiliser A à partir d'ici. Puisqu'en fait, tout son contenu est maintenant la propriété de B. Donc on peut très bien afficher B, aucun problème. Par contre, on ne peut pas afficher A. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait accéder à du contenu auquel cette variable n'a pas accès, puisque cette variable n'est plus propriétaire du contenu. Ah, je vois Paul qui dit What the fuck? Ouais! C'est exactement ce que je me suis dit au début, mais en fin de compte, ça a un gros avantage. C'est en fait, quand vous faites ça, qu'est-ce qu'il doit faire le langage de programmation, le compilateur, etc. Il doit faire quoi à ce moment-là? Il doit copier le contenu? Mais s'il copie le contenu, vous allez l'avoir deux fois dans la mémoire. Et si on le fait comme PHP le fait, on peut faire du copy on write. C'est-à-dire que du coup, on prend le contenu de A, on dit que B c'est une référence à A pour l'instant, et si on modifie B, là, on va copier le contenu de A dans B, et ensuite on modifie B. Sauf que Rust ne fait pas ça. Parce que sinon, en fait, ça veut dire qu'on va conserver A, et on ne sait pas ce qu'on va en faire. Donc il y a vraiment cette histoire de le contenu d'une variable, il faut vraiment imaginer que c'est un coffre, et que ce coffre ne peut exister qu'une seule fois. Qu'une seule et unique fois. Ça ne veut pas dire que la variable, on peut l'utiliser qu'une fois. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut bien savoir qui a le coffre en main. Et si à un moment donné, ce coffre, vous le passez à une autre variable, c'est cette autre variable qui va avoir le coffre en main. Et donc du coup, bah, vous l'avez plus. Alors peut-être que vous savez ce qu'il y a dedans, parce que vous l'avez vu quand vous l'aviez en main. Mais vous ne pouvez plus vous en servir, tout simplement parce que vous n'avez pas accès au code. C'est pas vous qui êtes propriétaire de ce code. On peut faire d'autres essais si vous voulez pour voir ce que ça donne. Normalement, ça, il est possible que ça marche, mais je ne suis pas sûr. Non, non, ça ne marche pas non plus. Vous voyez? On ne peut pas utiliser A du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est pas possible. On peut même essayer de le passer par référence, je ne suis même pas sûr que ça fonctionne. On ne peut pas le passer par référence non plus. Donc Paul André a raison, donner ces données, reprendre, c'est... Alors reprendre, c'est pas voler du coup. Reprendre, c'est avoir une bonne grosse erreur à la compilation. Ce qui est vachement plus violent. Parce que quand vous allez en avoir tous les jours, ça va être vraiment... Enfin, moi, je me suis arraché les cheveux là-dessus la première fois. C'est un concept qui est pas du tout habituel. Et voilà, comme je dis, voilà, moi, je dev PHP depuis 12 ans. Je me dis, mais pourquoi? Juste copier la règle? Ben non, le langage fonctionne pas comme ça. Vous allez voir qu'à un moment donné, ça va devenir pratique. Parce qu'en fait, il y a toujours cette notion de durée de vie d'une variable. D'ailleurs, il y a un chapitre entier dans le book, Lifetime, hop, voilà,
chapitre 10, qui est assez dur. Voilà. Les chapitres 4 et 10, donc Ownership et Lifetimes, je pense que c'est ceux que j'ai lus le plus depuis 6 mois. Et je pense que j'ai pas encore tout compris des Lifetimes. Clairement. L'avantage, c'est qu'ils permettent de visualiser le comportement. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas s'ils ont une visualisation ici. Si, voilà. Un exemple tout bête, c'est des accolades ici. Les accolades, c'est des choses qui permettent d'avoir un contexte. Que les accolades soient dans une fonction, comme ici, FM main, ou qu'on le fasse à la main. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas faire en PHP. Voilà. On ne peut pas faire ça. Ça veut dire qu'on va juste créer un nouveau contexte. Donc si je fais let other name égale Toto, mais en fait, ici, name existe. Il y a cette espèce de transfert de contexte. Si je veux utiliser name, souvenez-vous du principe de propriété. Si je veux utiliser name ici, ça veut dire que je prends name, et la propriété de ce contexte ici, et je le déplace ici. Move. Donc vous allez voir souvent, je déplace name ici. C'est comme ça. Je le déplace. C'est-à-dire que si je modifie ou je fais quoi que ce soit avec name ici et que je le réutilise après, eh ben je peux pas. Parce qu'en fait, name, il a changé de propriétaire. Il était là. Maintenant, il est dans ce contexte-là, dans ces accolades. Donc, du coup, je ne peux plus le récupérer. On l'a déjà donné à quelqu'un. On l'a déjà donné à un contexte. D'accord? Mais c'est surtout que ici, other name n'existe plus. Voilà. On a créé other name dans un contexte. Et une fois sorti de ce contexte, bah, other name n'existe plus. C'est comme ça que Rust va gérer tout ce qui est dans la mémoire. Quand une variable est créée, Rust, il va automatiquement créer un emplacement dans la mémoire et il est capable aussi de le faire de façon presque dynamique. Presque. Il peut pas déterminer dynamiquement le type, par contre, il peut déterminer dynamiquement combien de place il va prendre. De toute façon, ça, c'est quelque chose dont on s'occupe pas. Comment c'est, on faisait ça tout seul, je vous l'avais dit, en Rust, on s'occupe pas de ça. C'est le langage qui va déterminer comment la mémoire va se comporter. Donc ça, normalement, ça devrait pas marcher. Alors, je vais le faire sur le playground. Hop. Alors, on va recommencer. Hop. Println A. Et je vais refaire ici. Je suis pas sûr que ça marche. Quel est l'intérêt de faire des variables de contexte? Bah quand tu as une fonction qui a 500 lignes, alors ne faites pas ça. Mais si jamais à un moment donné ça vous arrive, c'est jamais, hein, quand vous avez une fonction qui a 500 lignes, eh bien pour des raisons d'optimisation de mémoire, des fois il y a des variables qui vont être créées au début et qui sont dispo jusqu'à la fin. Eh bien, le fait d'avoir des contextes, des petits contextes comme ça à l'intérieur de vos fonctions, ça permet de dire bah, certaines variables vont juste être dispo que dans un petit contexte. Et elles seront supprimées à la fin. Supprimées et donc libérées de la mémoire. Et ça, c'est bien. Le compilateur, il va vous aider à ça. Aussi. Donc ici, alors ça le fait pas, parce qu'en plus c'est macro, tout ça, tout ça. Si je fais let b égale hello et toString, print ln b, donc on va avoir again, on va voir que le again il est bien affiché, donc again hello. Par contre je peux plus le faire ici, va me dire que b n'existe pas, voilà, tout simplement parce que b est dans ce contexte. Donc tout ça, c'est vraiment des petites infos, vraiment, parce qu'en réalité, c'est plus complexe que ça. Quand vous aurez, si vous décidez à lire l'ownership, etc., vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de cas particuliers. Et ces cas particuliers, bah, au bout d'un moment, à force de coder, vous allez les expérimenter, quoi. Donc ça, c'était la première partie de l'intro à Rust pour les devs PHP. Donc ça va déjà faire 1 heure quasiment qu'on est en live. Donc je vais m'arrêter là pour que ce soit pas trop indigeste pour les personnes qui vont vouloir regarder le live plus tard de chez eux, etc. Et je couperai ici au montage pour faire une deuxième session, pour donner l'impression qu'il y a deux vidéos. Parce qu'à un moment donné, il faut pas pousser. Du coup, ben, si vous avez des questions sur ce qu'on a vu de cette première heure, allez-y. Et après, on passera à la suite. Donc, du coup, oui, alors, j'ai pas montré tous les cas d'usage, mais sur ce projet-là, vraiment, l'idée, c'est de reproduire le comportement du binaire Symfony.
Alors vous avez Symfony, vous faites Symfony local PHP list, là vous faites Rhymefony du coup PHP list et la même chose. Ça fera jamais exactement la même chose, mais là en ce moment je suis en train de travailler, enfin en ce moment quand j'ai du temps, je suis en train de travailler sur le fait d'obtenir un résultat comme celui-ci. En gros, vous faites local PHP list, ça détecte l'environnement PHP. Si jamais je vais sur Rhymefony, je crois qu'il fonctionne. Debug, PHP list, je crois qu'il fonctionne. Hein. Ouais, il fonctionne. Voilà. Et même si je vais sur Windows Subsystem for Linux, alors, target, debug, il marche aussi. Et il détecte que je l'ai installé avec Debsury. Donc jusque-là, ça marche, mais c'est pas fini. Il y a encore du taf sur cette pull request. Mais donc là, l'idée, c'est vraiment qu'il puisse détecter les versions de PHP qui sont installées. Et si jamais vous voulez voir le code, ben, il y en a beaucoup. Pour l'instant, pardon, pour l'instant, je vois pas de questions, donc c'est bien, ça veut dire que vous avez tout compris. Et ensuite, on va passer au setup d'un projet avec Cargo. Du coup, voilà. Petit aparté pour la fin de la vidéo. Je vais vous faire découvrir mon projet en Rust vraiment de la façon la plus rapide qui soit au niveau architecture. On a la fonction main, voilà, src main, et la fonction main détermine l'exécution. Ah, ça tombe bien, je vais vous montrer. On va compiler ton exemple en .exe, ça montre que tu es sous Windows, mais tu fais comment pour compiler sur d'autres OS? Alors, c'est une question un peu avancée, j'avoue. Je sais que c'est lié à ce qu'on appelle les toolchains. Les chaînes d'outils, je sais même pas si ça se traduit. Et en fait, en Rust, avec Rustup, hop, Rustup, Rustup toolchain, on peut voir la liste des toolchains qui sont disponibles. Donc, liste, et là vous voyez que j'ai une toolchain PC, Windows, MSVC, et je sais pas si on peut chercher une toolchain. Non, non, non. Ouais, il faudrait que je cherche les différentes toolchains de Rust. Il y en a beaucoup en fait. Et donc les toolchains, voilà, il y en a plein. Je sais plus. Alors, Rust toolchains. Je sais pas s'il y a une liste des toolchains. Mais bon, en gros, voilà, si je fais Rust toolchain list. Là, sur mon environnement, je suis sur PC, Windows, MSVC. Si je fais bash, je fais rustup. Donc là, je suis sur Windows. Hein. PC, je suis sur Ubuntu 18.04. Mais c'est Windows Subsystem for Linux. Et donc, si je fais rustup toolchain list, là, je suis pas sur la même chose. Je suis sur unknown Linux GNU. Et il a bien détecté mon architecture. Hein, 64. Donc c'est inhérent à des toolchains. Donc si jamais tu veux pouvoir compiler ton application sur pour d'autres OS, il faut la toolchain. Et ensuite, il faut que tu définisses ce qu'on appelle des targets, des cibles au moment de la compilation. Je crois qu'on peut les mettre dans le compiler. Voilà. Donc, il faut définir des targets, donc des cibles pour lesquelles tu veux compiler ton code. Mais vous allez voir qu'on peut simplifier tout ça avec l'environnement cargo, on en parlera après. Alors, autre question, est-ce qu'on peut faire de la POO avec Rust? Oui, tout à fait. Ça ressemblera pas du tout à ce qu'on fait en PHP, par contre. Que ce soit sur l'implémentation des traits, etc. On va pas vraiment parler de classe et d'implémentation. Par contre, on va parler de structure, de différentes implémentations de structure. On va pouvoir même parler polymorphisme. On va pouvoir parler traits aussi. Il y a plein de choses. Ça, c'est des notions qui sont assez avancées malgré tout, mais oui, on peut faire de la POO avec Rust, mais ça ressemblera pas du tout à ce qu'on a fait en ce qu'on fait en PHP, ni à ce qu'on fait en TypeScript d'ailleurs. C'est peut-être plus proche de TypeScript que PHP d'ailleurs. Alors, découverte vite fait de l'architecture de Rhymefony. Hop. En gros, on a la fonction main. C'est pas du POO. Du PO à la Python, ouais, probablement. Je suis pas assez expert en Python, enfin, je demande à mon frère qui connaît mieux Python. Donc, la fonction main, en gros, je vais lister des commandes. Donc, ici, vec, c'est une macro qui permet de créer un vecteur. Alors, les vecteurs, c'est quelque chose encore une fois d'un peu avancé, mais ça ressemble au tableau PHP. Ça ressemble, c'est pas pareil. Donc, une liste de commandes, PHP list, serve, stop, new, etc. Je crée une appli, voilà.
vous rappelle rien, pour ceux qui font du Symfony. On crée une appli avec sa version, l'auteur, nanana. Et ensuite, on récupère tout ce qui match les arguments. Donc les arguments de la ligne de commande. Donc les fameux PHP 2.list, quand je l'écris dans ma ligne de commande, on va pouvoir le récupérer dans ce fameux matches. Et sinon, sous X, genre les structs du C. Oui, ça ressemble un petit peu plus aussi aux structures du C. Et donc pour chaque nom de commande, ici, bah, je vais exécuter ma commande à la main. D'accord? Donc je définis une liste de commandes. D'accord? Je crée une appli. Je mets mes commandes dans mon appli. C'est des sous-commandes. Et ensuite, pour chaque. Bah, je vais utiliser la fonction match. Pareil, match, vous le découvrez en PHP aussi. C'est très intéressant. Dans PHP 8, vous verrez ça. Donc je match le nom de la sous-commande qui a été exécutée. Je demande à l'application le nom de la sous-commande et je l'exécute. J'exécute serve, serveur, serveur start. Donc là, c'est des alias. C'est pas aussi avancé que le composant console de Symfony, mais je m'en fous parce que le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est que ça fonctionne et que ce soit pas trop dégueulasse. Et vous voyez ici, le underscore, c'est la fameuse variable par défaut au cas où vous n'avez pas géré. Enfin, c'est le cas default dans un switch case. Voilà. Et donc là, bah, du coup, je crée un sub-process qui va exécuter la même commande avec tiret tiret help. Si vous mettez juste Grimphony sans rien, bah, il va matcher aucune de ses sous-commandes. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de sous-commande. Et donc dans ce cas-là, je lui dis, bah, tu réexécutes la même commande, mais avec tiret tiret help. Et ensuite, du coup, les commandes, elles sont composées dans le namespace commande. Oui, il y a des namespaces en Rust. Donc j'ai un namespace commande avec une commande qui s'appelle new symphony. Voilà. Il va créer un projet, il va exécuter Composer Create Project. Voilà. Je crée commande new Composer Path. Donc je détecte Composer. Plus tard, il faudra peut-être le faire mieux. Mais... Composer Create Project. Si c'est full, ce sera Symfony Website. Sinon, c'est juste Skeleton. Bref, on crée un projet Symfony. Pareil pour PHP List. Alors là, c'est la version ultra avancée de PHP List. Attention, je crée un tableau avec tout ce qu'il faut pour le tableau, etc. Et le but, c'est de récupérer tous les binaires PHP. Vous voyez? Let binaries égale PHP binaries all. Donc, j'utilise une fonction dans un namespace. Je récupère tous les binaires PHP. Donc, vous voyez? HMAP, PHP version binary. On en parlera plus tard. Hein, c'est des génériques. Et ensuite, bah, pour chaque version que j'ai, voilà, version PHP binaries, bah, j'affiche une ligne dans le tableau. Voilà. Après, j'affiche le tableau dans la sortie du terminal. Donc il y a plein de choses qui paraissent compliquées, voilà, il y a les what, il y a les séparateurs, il y a plein de trucs en plus parce que PHP il rajoute les type int, voilà, les noms des arguments, line, junction, etc. Donc voilà, ça va faire beaucoup de choses, mais au fur et à mesure vous allez coder, vous allez vous en rendre compte, ce sera peut-être plus simple. Serve, donc ça démarre un serveur web, donc la fonction serve ici, soit on la démarre comme un démon, donc serve en arrière-plan, et ça marche aussi sous Windows. Et oui. Donc soit en background, soit en foreground, en gros. En background, ce que ça va faire, c'est qu'il va démarrer un sous-process et il va dire au sous-process, voilà, tu t'exécutes et puis tu. Voilà, nous on s'arrête là, tu t'exécutes en arrière-plan. Mais en fait, il va juste faire serve, mais pas en arrière-plan. Voilà, il va faire dans un autre process. Mais en gros, vous voyez, je détecte quel est le SAPI utilisé en PHP, est-ce que c'est PHP FPM, est-ce que c'est PHP-S, est-ce que c'est PHP CGI sous Windows, etc. etc. Et en gros, proxy serveur, donc j'ai créé un namespace proxy serveur et je le démarre. Je vais démarrer un serveur HTTP qui va écouter tel port. Je démarre aussi un serveur PHP. Donc je sais plus où est-ce qu'il est démarré, le serveur PHP, un petit peu avant. Ouais, il est démarré ici. Voilà. Donc je démarre un serveur PHP. Et ça peut être, voilà, sous Windows, ce sera un serveur CGI. Sous Linux, ce sera un serveur FPM. S'il n'y a ni CGI ni FPM, ça va démarrer un serveur avec PHP-S 127.0.0.1, ça ne coupe pas. D'ailleurs, on peut le tester ici. Donc, target debug serve. Serve tout court, il va l'exécuter en front-end. Voilà. Donc là, il y a un petit souci parce que je suis sous WSL et il me manque des choses. Voilà, le serveur HTTP n'est pas encore parfait. Et si je fais la même chose, target debug serve. Et bien du coup, il va le faire avec PHP CGI. Voilà. Donc, vous voyez qu'en haut, il a bien détecté PHP FPM. Ici. Voilà, il a démarré, PID 20. Là, il a bien exécuté PHP CGI avec PID 9004.
Ici, je l'affiche. Il m'affiche exactement le fichier index qui est là. Voilà. Le fichier index, il contient que ceci. C'est des éléments de debug. C'est ce qu'il y a dans le projet pour pouvoir débugger le serveur CGI. Vous voyez, Gateway Interface, Face CGI, enfin, tout un tas de trucs qu'on connaît. Hein, c'est du HTTP, finalement. Ça a été beaucoup de taf de faire ça. Hop. Et si je fais -d, il va le lancer en arrière-plan. Avec Windows, exécuter des process en arrière-plan, c'est compliqué. Parce que c'est jamais totalement de l'arrière-plan. Si j'exécute ça, vous voyez que la sortie est quand même en premier plan. Et après, si je fais stop, normalement, il va me stopper le serveur. Et voilà. Là, du coup, bah, voilà. Voilà, une petite découverte rapide de Ringfunny. Après, le but, vraiment, c'est de faire en sorte que déjà que les versions de PHP soient détectées, qu'on puisse personnaliser la version de PHP, et ensuite que le serveur web, il soit aux petits oignons. Une fois qu'on aura ça, je pense qu'on aura déjà 90% du taf effectué, et les 10% restants, ce sera pouvoir rajouter des noms de domaine avec un proxy DNS, et ça, je pense pas que je vais m'y frotter de sitôt. J'ai déjà fait trop de trucs, c'est trop bien. Voilà. Bon, si vous êtes encore motivé, moi j'ai encore une petite heure devant moi qui était réservée à ça. Donc on va continuer. Voilà. Du coup, je vais essayer de faire un petit peu de montage la semaine prochaine, ce week-end et la semaine prochaine, pour découper la vidéo en plusieurs morceaux, ça va être compliqué. Je vais essayer de faire ça pour que ce soit plus agréable. Donc je prendrai la première partie qui fait 1 heure, je vais la découper, je pense que ça fera peut-être 50 minutes, 45 minutes. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui suivaient les 3 lives que j'ai fait ces 6 derniers mois, vous avez vu que j'ai changé d'arrière-plan. J'ai changé de bureau. En fait, ici, à la base, c'était la chambre de mes enfants, enfin, la chambre de mon fils, parce que mes enfants voulaient dormir tous les deux dans la même chambre. Il n'y avait pas assez de place pour 2 lits, du coup bah voilà. Je les ai mis dans mon ancien bureau qui est du coup devenu leur chambre et leur ancienne chambre est devenue mon bureau. C'est plus petit mais c'est mieux agencé. Je suis juste un peu triste parce que je peux pas encore utiliser le bureau debout pour faire mes lives. En fait quand je fais des lives avec mon PC portable chauffe jusqu'à 93 degrés. Donc je préfère éviter. Donc, je vais plus avoir de PC portable. Ah, on va fermer ça, on va reprendre REST-PHP, hop. Et on va faire la nouvelle intro. Alors, getting started. Allez, next party. Clap. Suite donc de notre introduction à Rust, donc on a vu vraiment les concepts de base, mais vraiment de base de base. Et maintenant l'objectif c'est de voir un petit peu comment créer un projet en Rust. Donc là on avait vu la dernière fois, comment compiler un fichier en Rust, Rust c index.rs par exemple, donc le fichier Rust. Ça va le compiler, il va nous le compiler sous Windows dans un fichier exe. Sous Linux, il va nous compiler soit dans un exécutable, soit dans une lib. On peut soit faire des exécutables, soit faire des bibliothèques. Et du coup, une fois que le fichier est compilé, on peut l'exécuter. Voilà, index.exe, et bon, là, ça fait rien parce que j'ai rien mis dedans, mais c'est un exécutable qui fonctionne. Le truc, c'est que maintenant, on a besoin de faire des projets. Les projets, c'est toujours un peu plus compliqué. Petite question du maître d'école. Quand vous créez un projet PHP, c'est quoi le premier truc que vous mettez en place pour l'architecture de votre projet? Déjà, je suis presque sûr que je vais avoir des réponses de troll. Déjà, je sais même pas si je vais avoir des réponses. La dernière fois, des réponses de troll, je sais pas. On n'a pas de réponse. Ah cool, allez, oh. Quel numéro? La réponse n'a pas été donnée, du coup. Quand on crée un projet PHP,
quasiment tout le temps, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on va créer un fichier composer.json. Et oui, parce qu'il faut bien pouvoir installer ses dépendances. Il est fort à parier que le projet PHP, il ait besoin. Ah oui, non, mais. Alors, j'obtiens des réponses du type EasyPHP ou Docker. Alors, ces réponses-là, c'est pour un projet web en PHP. Mais moi, je parle d'un projet PHP tout court. Alors, pour l'architecture de votre projet, ce qu'il faut, c'est un gestionnaire de dépendances. Parce que votre projet PHP, il va avoir des dépendances. Si jamais vous avez un projet PHP qui a zéro dépendance, donnez-le-moi. Montrez-le-moi. Je veux le voir. C'est devenu très rare aujourd'hui. Même Symfony, qui clame partout qu'il y a zéro dépendance, il y en a. Très très peu, mais il y en a. Donc à un moment donné, vous allez devoir pouvoir gérer vos dépendances. Avec PHP, vous faites ça avec Composer. Avec Node.js, vous le faites pas parce que sinon ça fait exploser votre disque dur. Plaisante, évidemment, vous allez le faire soit avec NPM, soit avec Yarn. Avec Deno, vous le faites pas parce que c'est natif. Avec Ruby, vous le faites avec Bundler, voilà. Ou avec Gem, mais bon, avec Bundler, c'est plus simple. Enfin voilà, vous avez le gestionnaire de dépendance un peu partout, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir comment on gère les dépendances avec Rust. Et ben en fait, Rust, il a son outil qui est directement embarqué dans Rust Up. Quand vous installez Rust Up, Rust Up va installer le compilateur, Rust C, et Cargo. Et Cargo, c'est le gestionnaire de dépendance, et il a plein de commandes super utiles, un peu comme Composer. Sauf que Composer, c'est un gestionnaire de dépendance. Cargo, c'est aussi un outil de build, puisque Composer permet pas de builder des projets. On ne build pas un projet en PHP. PHP, c'est un langage interprété. Alors que là, Rust, c'est un langage compilé, donc on va devoir, à un moment donné, le compiler. Donc vous voyez ici, là je suis sur rustlang.org/fr, j'ai cliqué sur le bouton Getting Started, et je l'ai mis en français pour les personnes qui sont un peu allergiques à l'anglais. Et au moment où vous installez Rust Up, vous avez Cargo. Et Cargo, il a les 5 commandes que vous allez voir là, ici dans la liste, ce sont celles qui seront probablement les plus utilisées. J'ai une remarque avec un peu comme Maven en Java. Oui, tout à fait. Maven, c'est un gestionnaire de dépendance pour Java. Tout à fait. Et donc du coup, Cargo Build, ben, en fait, vous allez pouvoir builder votre projet. Donc ça va, c'est l'équivalent de Rust C sur votre index.rs, sauf que Cargo, il va aussi gérer tout ce qui est les dépendances. Il va builder votre projet. Donc si votre projet il a des dépendances, il va charger les dépendances avec. Cargo Run, il est utilisé si votre projet c'est un projet exécutable. Ça marche pas avec les bibliothèques. Évidemment, les bibliothèques c'est pas exécutable. Et Cargo Test, il exécute tous les tests que vous avez. C'est bien parce que le moteur de test en PHP, ah, petite autre question du maître d'école, quel est le framework de test le plus connu en PHP? Et si vous répondez pas PHP Unit, vous pouvez partir. ou alors vous allez voir différents cours sur les tests en PHP, il y en a plein partout. Mais ouais, du coup en PHP, le framework de test le plus connu c'est PHP Unit. Avec Cargo, Rust, c'est embarqué dans Cargo. Voilà. Donc il y a une syntaxe un peu sympa, vous mettez une annotation pour dire que la fonction en question c'est un test, et en fait quand on fait Cargo test, il va exécuter toutes les fonctions qui ont une annotation test. Donc. Cargo doc, c'est super cool parce que vous pouvez définir de la documentation directement dans vos fonctions, etc. Vous pouvez mettre ça dans le fichier main, vous pouvez créer des fichiers de documentation séparés. Et en fait, Cargo Doc, il a une architecture un peu particulière qui vous permet de créer la documentation pour votre projet. Et c'est bien parce que vous pouvez publier vos propres packages sur crate.io, qui est l'équivalent, vraiment l'équivalent strict de Packagist, mais pour Rust. Voilà. Alors, Packagist pour PHP, npm.js pour Node.js, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a rubygems.com pour rubygems.org pour Ruby et ainsi de suite. Et donc les crates ici, c'est vraiment les bibliothèques. Vous voyez qu'il y en a un paquet. Voilà. Et si vous voulez regarder une lib classique, par exemple log, voilà. Une lib toute simple pour faire des logs, vous voyez que là il y a une documentation, il y a un site spécifique pour toutes les documentations des bibliothèques qui sont hébergées sur crate.io, c'est docs.rs. RS, vu que c'est les extensions de Rust, bah, les sites.rs, ça fait penser à Rust. Et vous voyez que la documentation, elle est automatiquement générée directement depuis le package. C'est génial parce qu'encore une fois, si votre package, il est publié sur crate.io avec Cargo Publish et qu'il y a de la documentation dedans qui peut être buildée avec Cargo Doc, et bien ce sera automatiquement buildé et hébergé sur doc.rs.
Et génial, parce que du coup, il y a tout qui est au même endroit. La doc, elle est pas au même endroit que le... on va pas aller n'importe où. Donc oui, il y a des détails, les différentes versions. Il y a même des alertes aussi. Voilà. Il y a des versions où, qui existent, mais qui sont enlevées pour certaines raisons, des raisons de sécurité, ce genre de choses. La liste des dépendances. Un truc sympa, CERD. CERD, c'est le package que j'envoie pour faire du JSON Serialize ou du JSON Deserialize. Donc il y en a plein qui sont connus comme ça, voilà, je vous parlais de Hyper hein, la dernière fois, pour tout ce qui est HTTP, log, voilà, c'est pour gérer les logs. Vous voyez que ça crée des macros, ici. Si je clique dessus, je vois la macro Error. Vous voyez que voilà comment ça se passe. Vous voyez. On prend tout le code qui est là, et à chaque fois qu'on écrit Error, point d'exclamation, parenthèse, on prend ce qu'il y a dans les parenthèses, on voit qu'il y a des arguments ici, et après, ben, qu'est-ce qu'on fait? On exécute du code, etc. Ah, je sais. Ouais, bon. Donc, comment on fait pour initialiser un projet? Eh bien en fait il existe une commande cargo init. Voilà. Donc soit on fait cargo new si on n'a rien. Si on n'a rien encore, on n'a rien créé, on fait cargo new, ça crée un projet avec une petite architecture vite fait et un fichier de configuration pour cargo. Vous faites cargo init, bah, ça le fait, mais dans le dossier qui existe. Donc il a créé le package pour une application, visiblement. Visiblement c'est une application. Voilà. Il a déterminé ça tout seul. Il y a un fichier Gitignore. Voilà. Le dossier target dans Cargo, ce sera toujours le dossier dans lequel seront mis les fichiers de sortie. Donc le index.exe de tout à l'heure, il sera dans target à partir de maintenant. Je peux supprimer ce que j'avais. Voilà. On a le cargo.toml. Toml. Donc toml c'est en gros un mix entre YAML et ini. Mais en plus joli. Donc c'est une syntaxe qui existe. Hop, attach. Et donc vous voyez qu'il a directement mis le nom du package basé sur le nom du dossier, une version. Il a détecté qui je suis comme contributeur. Je pense qu'il a récupéré, à mon avis, de la config de Git, config globale. Et il a spécifié une édition. Les éditions de Rust, c'est un truc génial. On va en parler juste après. Et ensuite, bah, les dépendances. Voilà. Vous voyez qu'il met même ici. Le lien vers la doc de cargo pour savoir quels sont les éléments qu'on peut mettre dans le fichier cargo.toml avec tous les détails sur ce qu'on peut mettre. Il y a plein de choses, on ne va pas tout utiliser. Donc ici, on va juste mettre une dépendance. Donc c'est la dépendance dont je parle depuis tout à l'heure, qui est ici. Hop, log. Donc si je veux rajouter une dépendance, je mets le nom de la dépendance et sa version. Et si jamais vous avez. Alors, alors je sais pas s'il y a un éditeur. Rust, IntelliJ Rust, voilà. Il existe un éditeur IntelliJ pour Rust. Moi, vu que j'utilise IntelliJ IDEA Ultimate, j'ai tout en un seul truc. Ça coûte plus cher, mais vous avez tous les éditeurs en un seul éditeur. Et ça, c'est vraiment très cool. Et après, si vous voulez installer Rust, en fait, dans votre éditeur, il suffit d'installer plugin Rust. Des plugins PHP, plugins JavaScript, plugins Rust, plugins Ruby, plugins Go, etc. Ça vous permet d'avoir quasiment presque tous les éditeurs de JetBrains en un seul éditeur. Et je trouve ça franchement super pratique quand on manipule plusieurs langages. Ça évite vraiment de changer de vidéo. Et non, je ne suis pas encore passé à VS Code. Je suis trop attaché à tout ce qu'il y a dans les éditeurs de JetBrains. Donc si vous avez le plugin Rust pour IntelliJ IDEA Ultimate ou que vous avez IntelliJ Rust, vous pouvez mettre le curseur dans la chaîne de caractères qui reprend la version, et vous faites CTRL espace, et il va chercher les versions disponibles. Voilà. Donc là, 0.4.11, je vais juste mettre 0.4, c'est suffisant. Et vous voyez qu'ici, il met un petit onglet, une petite icône dans la gouttière, qui permet d'ouvrir directement la doc du package. Voilà, intégration directe. Je trouve ça super cool. Voilà. Même le plugin Composer.json, il n'est pas aussi puissant que ça. Voilà, donc l'avantage c'est que voilà, tout est standardisé, c'est direct, c'est fait, ça marche. Donc moi ce que je veux faire, c'est que je veux vraiment afficher un message de log. Et là pour l'instant on n'a rien configuré. Voilà. On va prendre les exemples. On va reprendre notre fichier index.rs. Alors le cargo.toml, je crois qu'il est il pointe vers un fichier main.rs qui est dans src. Donc le index.rs, pour l'instant, hop, on l'enlève. Et donc le main.rs il est là. Hop, use log info warn, hop, on peut faire ça aussi.
La même chose qu'en PHP, on peut les développer. Moi je préfère les avoir tous sur une ligne. Mais visiblement il y a plein de gens qui préfèrent les avoir comme ça. Quand on vient de PHP, on n'aime pas avoir ça. Voilà, les différents code sniffers de PHP et style de code, etc. nous disent, faites ça, chacun sur une ligne. D'ailleurs PSR2 et la dernière PSR pour le style de code, PSR2 nous dit qu'il faut le mettre sur chacun sur une ligne. Donc use log info, il est en bleu, donc je sais que c'est une macro. Voilà. Macro rules, macro export, nanana, donc tout ça c'est des trucs, nous on s'en fiche. Toujours est-il que c'est une macro. Donc si je veux loguer des infos, bah info, point d'exclamation, macro. Hey! Voilà. Et j'ai logué quelque chose. Bon, évidemment, là j'utilise pas warn. Je sais pas si je peux faire plutôt avec error. On va essayer. Et donc du coup, vu que c'est une application, bah, je fais cargo run. Et l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de passer par la compilation. Il va d'abord compiler. Vous voyez qu'il compile les dépendances et ensuite il exécute le code. Donc là, du coup, le hey, il n'est pas affiché parce que bah, il sert un log et que j'ai pas configuré mes logs. Après, il faudra configurer les logs pour savoir où est-ce qu'on veut que ça log des informations. Donc ça va plus loin. Hein. Voilà, c'est ça. Les exécutables doivent choisir leur implémentation. Le log, et donc bah, il faut chercher. Je pense que simple log. Ouais, voilà, il y a des implémentations qui sont des packages externes en fait. Stdr log, tout bête, hein. Il faut installer le create stdr log pour pouvoir loguer sur standard error. 0.4. Je pense que c'est géré par la même équipe. On récupère l'info. Hop. Et on fait exactement ce qu'ils nous disent. On va utiliser. Vous avez vu que les namespaces en Rust ils sont séparés par le signe deux points deux fois de suite. Pour la petite info, si vous savez pas pourquoi en PHP les namespaces sont séparés par des backslash, sachez que au moment où ça a été décidé, il y a très longtemps, il y avait d'autres propositions. Je crois qu'il y avait le double arrobase, double étoile aussi, je sais plus, comme ça, et notamment le signe deux points deux fois de suite. Deux fois deux points. Ça avait été proposé pour PHP. Donc si on avait choisi autre chose pour PHP, eh ben on aurait les mêmes genres de namespace. Alors du coup, normalement si je fais ça, je sais pas si ça va marcher, mais on va essayer. Donc, du coup, il va compiler les nouvelles dépendances. Hein. Vous avez vu, j'ai ajouté une dépendance dans mon cargo.toml. Bah, du coup, il va les télécharger et les compiler. Et une fois qu'il les a compilées une fois, il les recompile pas deux fois. Elles sont compilées. Les dépendances, tant qu'elles ne changent pas, voilà. UseLog, stdlog, j'ai peut-être oublié quelque chose. Ah oui, c'est extend create. Bon, ça, on s'en occupe pas. Hein. C'est on copie-colle pour l'instant, ça nous suffira. Et vous voyez que là, ça log vraiment error-hey, donc c'est stdr. Et si je le fais maintenant avec warn info, c'est quoi les autres niveaux de log? Warn info, debug et trace. Debug, trace. D'ailleurs, je vais. Oui, si j'ai envie d'écrire bien quand même. Vous voyez que pour l'instant il fait rien de plus. Voilà. Il a recompilé mon projet, mais il fait rien de plus. Voilà, donc il explique un hein. Error c'est le plus haut niveau et trace c'est le plus bas niveau. Je sais pas s'il y a des détails spécifiques. Ouais, non, après ça va trop loin. Mais voilà, il m'a affiché bien le message d'erreur toujours visible, et les autres, ils sont pas toujours visibles. Donc il faudra que je reconfigure d'autres logs pour pouvoir voir les détails. Je ne sais pas s'il me met dans un fichier ou autre. Non, il ne le met pas. Donc vous voyez que lorsque j'ai fait cargo run, d'ailleurs même si je fais cargo build, il va y réutiliser hein, ce qui a été déjà compilé. Hein, il l'a mis, ouais. Déjà compilé tout ça, je ne le refais pas. Il met tout ça dans target debug. Donc target c'est la cible. Si vous aviez plusieurs cibles, debug et release, ben vous aurez target debug et target release.
Et après, vous avez toutes les libs qui sont buildées, voilà, log, tout ça. Les dépendances et les fichiers buildés. Voilà. Et évidemment, le fichier .exe qui correspond au nom du package. Si jamais je change le nom du package ici, php test, et que je refais un cargo build, vous allez voir qu'il va me créer le fichier cargo, php test.exe. Le nom de l'exécutable, c'est le nom du projet. Donc on a bien vu du coup que le message d'erreur, il est affiché. Si je fais rust, non, je ne vais pas faire. Ça va trop loin. Donc voilà, là on a un projet en host et on a une dépendance, en gros error. On veut juste afficher error parce que on sait que c'est celle qui s'affiche sur la sortie d'erreur. Donc on a utilisé une dépendance, on a ajouté des dépendances dans notre fichier cargo.toml. Donc c'est sur cette base que tous les projets en Rust vont se faire. Au même titre que c'est sur la base d'un composer JSON que la plupart des projets PHP se font. Voilà. Donc à partir de là, vous avez cargo build qu'on a vu, cargo run qui exécute le projet, cargo test. Bon, les trois dernières, je ne vais pas les voir, hein, ça reste une intro. Hein. Je vous laisse pratiquer pour le reste. Et voilà, la gestion des dépendances, vous avez vu qu'il y a même des outils dans les navigateurs pour gérer les dépendances. Dans les éditeurs JetBrains, vous avez des commandes qui sont liées à cargo. Voilà. Cargo run. Je fais rien de plus, je fais juste cargo run, et vous voyez, je l'exécute, et il me l'exécute là, dans mon terminal. Donc là, c'est quoi? Je peux configurer full backtrace, par exemple, autrement. Là, il va pas m'afficher full backtrace, parce que vraiment, j'ai pas d'erreur. Mais si jamais j'ai des warnings, bon, A égale wow, je vais avoir une warning, donc il va m'afficher le backtrace de la warning. Les messages d'erreur, les ma warning. Je sais pas si ça change quelque chose. Non, backtrace. Non, ça change pas pour les warnings. Les backtrace, c'est surtout pour les erreurs. Voilà, donc vous voyez que juste avant de faire cargo run, il fait cargo build. Le build, c'est un truc natif ici, c'est le project. On peut spécifier. Alors, où est-ce que c'est? Alors je sais plus exactement dans les projets dans les JetBrains, on peut configurer comment les projets sont build. Voilà. Bon après je m'en occupe rarement puisque finalement c'est juste cargo build qu'on fiche un petit peu pour l'instant. Bon pour une intro c'est déjà pas mal. Alors, il propose des exemples ici, une petite application en Rust. Il propose par exemple d'utiliser Ferris Save. Donc Ferris, c'est le nom de la mascotte de Rust. La mascotte de Rust étant un crabe. Voilà. Ferris Rust. Hop, voilà. Ça, c'est la mascotte de Rust. Donc c'est un crabe qui s'appelle Ferris. L'éléphant PHP, c'est la mascotte de PHP, mais je crois que l'éléphant PHP n'a pas de nom. Ou alors j'en ai pas souvenir. Il y a d'autres projets comme ça qui ont des petites mascottes. Bah, par exemple, API Platform. Sa mascotte, c'est une petite araignée qui s'appelle Webby. Voilà. Il y en a plein d'autres qui ont des mascottes. Deno, par exemple, Deno.land, sa mascotte, c'est un petit dinosaure. Voilà, on voit la tête du dinosaure ici, sous la pluie, le pauvre petit chou. Et je sais pas si c'est dans le blog. Deno blog. Ouais, vous avez peut-être vu ça récemment, hein. La version 1.0 de Deno qui est sortie. Voilà. Avec cette jolie illustration que je trouve trop jolie. Trop jolie, c'est tout mignon. Et en fait, Deno, c'est fait avec Rust. Donc il y a un moteur TypeScript dans Deno qui est fait en Rust. Il y a un serveur HTTP qui est fait en Rust. Bref, Deno, c'est du Rust à la base. Et ça vous permet d'écrire en fait du code JavaScript ou TypeScript, ou les deux, d'utiliser les ESM, les ECMAScript modules, et vous avez peut-être vu plein d'articles de blog sur, je sais pas, sur Je suis un dev ou d'autres blogs dans le même genre, qui disaient est-ce que Deno signe la mort de Node.js? À titre perso, j'aimerais bien. Et je pense que le créateur de Deno, Ryan Dahl, plus connu sous le nom de RY,
puisque c'est lui qui a créé Node.js. Voilà, Ryan Dahl qui a créé Node.js a décidé de créer Deno, voilà, Node, Deno, c'est drôle, pour pallier toutes les erreurs de conception qu'il y a eu dans Node.js. C'est pour ça que vous avez vu plein d'articles popper, ça fait un shitstorm pas possible. Ah, Deno 1.0, c'est la mort de Node.js. Non, non, pas tout de suite. Moi j'aimerais bien, mais pas tout de suite. Et en gros, c'est fait en Rust, donc du coup on a vraiment beaucoup de sécurité, il y a peu de risques de problèmes mémoire, bref, c'est super bien fait. Quoi. Et c'est en Rust. Trop cool. Ouais, il faut installer Bluetooth sur Windows. Bon, du coup, ce que je voulais faire, c'était, j'avais migré sur Ferris, ensuite sur Webby, et ensuite sur la mascotte de Deno. L'idée, c'est de faire le petit projet qui est proposé ici, sur la doc, ou Getting Started, de départ, et de faire la même chose. Donc, là, ils l'ont fait via cargo new hello rust. Nous, on a fait un cargo init sur là où on avait déjà un fichier index. Et l'idée, c'est que on va rajouter une dépendance Ferris save. Donc Ferris save, c'est juste une dépendance toute simple pour faire en sorte que le crab Ferris dise quelque chose dans le terminal. Okay. Je sais pas s'il y a d'autres versions, mais ça m'étonnerait. Ah si, 0.2. Waouh, on va utiliser Ferris save 0.2. On est des fous. Après, on parlera des éditions. Et ensuite, dans votre code, vous allez faire un use de Ferris save. Ouais. C'est vraiment la même chose, le use, c'est vraiment la même chose que ce qu'il y a dans PHP pour les use. Hein. C'est-à-dire que, sauf que là, il n'y a pas d'autoload. PHP, on est obligé d'activer un moteur d'autoload, c'est obligatoire. Dans PHP, sinon rien n'est chargé par défaut. Dans Cargo, étant donné que vous définissez vos dépendances, Cargo, il va aller chercher les fichiers compilés des dépendances, les intégrer au build, et si vous faites un use et que vous appelez une fonction qui vient d'un package dont vous faites l'import avec un use, bah en fait il va dire ok, bah voilà, c'est une lib, ça vient de cette lib, donc ça sera utilisé. Et donc du coup on va faire say, ici vous voyez qu'il y a plein de choses. Alors, on va vraiment recopier le code et je vais vous expliquer ce qu'il y a là-dedans. Hop, on a d'autres trucs, donc say c'est une fonction, stdout c'est aussi une fonction. C'est une fonction qui permet de récupérer un flux vers la sortie standard. En PHP, ce serait l'équivalent de la constante stdout, en fin de compte. Alors, vous feriez un truc du genre stdout égale stdout. Voilà. Et ça, c'est une ressource. Et après, vous pouvez faire un fwrite hello crab stdout, ou la variable, hein, et vous faites hello. Voilà. Et si vous faites ça, alors, vous faites ça pour... vous voyez que ça écrit hello. Voilà, vous avez écrit dans le flux de la sortie standard. Il y a trois flux natifs dans tous les programmes. Les trois flux natifs, on appelle ça les files descripteurs principaux, les descripteurs de fichiers. C'est stdin, donc c'est le input. Typiquement, php index.php, et ensuite, ah, je sais pas si ça va marcher. Bon, on va faire j'ai des doutes. Non, parce qu'il attend en fait. Par contre, si je fais ça, ouais, ça marche. Vous voyez? Donc, dans l'entrée standard. Voilà, ça marche pas, mais là dans l'entrée standard de PHP index.php, il y a le pipe. Dans son entrée standard, je fais echo OK. Je peux même faire cat index.php. Hop, et me fiche le pipe. Bon, le truc c'est qu'il s'arrête pas. Normalement, je voudrais qu'il s'arrête, mais là il s'arrête pas. Mais bon, c'est pas important. Et il continue de lire en fait tout le temps dedans. En fait, il devrait s'arrêter là. Donc là, on peut faire la même chose avec Rust, on peut lire dans l'entrée standard. Il existe une extension qui s'appelle Dialogue, ou Dialogue en anglais si vous préférez. C'est une extension qui permet, c'est l'équivalent en fait d'une partie du composant console de Symfony qui permet de lire, de poser des questions et de lire le résultat dans le terminal. Bref, donc du coup on va récupérer un pointeur en gros vers la sortie standard. Donc le premier file descriptor c'est l'entrée standard, stdin. Ensuite le deuxième c'est la sortie standard, stdout.
Et le troisième, c'est la sortie d'erreur stdr. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai configuré le log, je l'ai configuré dans stdr. J'avais chargé l'extension stdrlog pour afficher dans stdr. Là, on l'affiche dans la sortie standard. On va créer notre message, donc c'est une chaîne de caractères. Pour rappel, hein, comme je le disais au tout début, on peut aussi faire ça to string. Voilà, là, il m'a fait de l'autocomplétion, il m'a affiché la type inference qu'on avait parlé tout à l'heure, mais bon, bref. Donc c'est la même chose. On transforme une chaîne de caractères littéral en un objet string. La largeur, bah, en fait, c'est la taille du message. Okay, donc on prend le message, on récupère les caractères. Donc message chars, c'est un objet chars. Il y a plein de structures comme ça dans Rust qui permettent vraiment d'accéder à des informations très bas niveau. Donc voilà, on prend notre chaîne de caractères et on va accéder aux caractères en eux-mêmes. Il y a un objet chars, il y en a plusieurs. Et il y a une fonction dans la structure chars, une fonction count qui permet de compter le nombre de caractères. C'est l'équivalent d'un strlen. Et j'irais même. Ah, support de l'Unicode, c'est compliqué. J'allais dire, c'est même l'équivalent d'un MB underscore STLN. Mais on va éviter de dire des bêtises parce que je ne suis pas du tout sûr. Ça dépend, caractère, les graphèmes, les octets, tout ça. Bon, bref, des fuites, quoi. Unicode. Ensuite, on va créer un buffer vers STDout. BufferWriter, donc c'est un buffer d'écriture. C'est un outil qui va nous permettre d'écrire vers un flux. Donc l'équivalent en PHP, on n'a pas trop ça. Parce que nous on crée des ressources en PHP, donc c'est ce que j'avais fait tout à l'heure là. Voilà, on a une ressource, voilà, et dedans on écrit. On écrit dans la ressource. Donc la ressource c'est un flux, et ce flux c'est un flux d'écriture. En l'occurrence quand j'utilise fwrite. Mais vraiment le BufferWriter c'est l'équivalent, je pense, d'un fopen de PHP stdin. Alors que je dis pas de bêtises, je crois que c'est en W+. WB+. Bon, de toute façon, c'est pas exactement la même chose. Chaque BufferWriter peut avoir sa propre configuration. Là, en l'occurrence, je vais le faire dans stdout. Et ce que je vais faire là, c'est .lock. Ça veut dire qu'on va récupérer un pointeur vers la sortie standard, mais un pointeur qui est verrouillé. Ça veut dire qu'il y aura que ce processus qui pourra écrire dans la sortie standard. Il n'y a que ça. Si jamais j'avais deux processus en même temps qui voulaient écrire sur la même sortie standard, ce qui est possible, hein, parce que le Rust peut faire du multithread. On peut avoir deux threads qui travaillent en même temps et qui veulent écrire dans la sortie standard. Et bien, si jamais j'ai verrouillé la sortie standard dans ce verrou, ici, un verrou, ben, ça veut dire que l'autre thread ne pourrait pas écrire dedans. On a verrouillé la sortie standard. Alors ça, la notion de thread en PHP, c'est compliqué. Si vous avez jamais vu ce que c'est qu'un thread en PHP, vous ne comprenez peut-être pas de quoi je parle. Et en gros, comment essayer de vulgariser ça? Le thread, c'est quand vous avez un processus, voilà, vous exécutez un logiciel. Voilà. Par exemple, à tout hasard, Firefox. Et en fait, ce logiciel, pour fonctionner, il a besoin d'accéder à votre ordinateur. Notamment, il a besoin d'utiliser le processeur pour faire des calculs. En fin de compte, quand le logiciel est exécuté, c'est uniquement des appels au processeur, et le processeur il va faire des calculs. On peut faire la même chose avec le GPU, la carte graphique. On va demander à la carte graphique de faire des calculs. Ça ne fonctionne pas du tout de la même façon, mais on utilise les outils de la machine. Et le truc, c'est qu'en fait, le processeur, il a la capacité d'exécuter des threads. C'est-à-dire que le processeur, il est capable de fonctionner en parallèle. Alors, on imagine souvent ce truc de, on envoie le truc au processeur, et le processeur, ben, il a plein de choses à faire, donc il fait les choses une par une, plein de calculs. Mais en fait, il est capable d'effectuer des choses en parallèle. Et là, c'est vraiment du parallèle, hein, c'est des threads, ça sert à ça. C'est pas du tout pareil que de l'asynchrone. Asynchrone et parallèle, ça fonctionne pas pareil. Et du coup, les threads vont fonctionner en parallèle. Donc on va pouvoir, avec PHP, le faire que sur un seul thread. PHP, c'est. On a beau avoir de l'objet, des machins, des trucs. On peut même faire de l'asynchrone en PHP. PHP lui-même reste monothread. On ne peut pas faire de multithread nativement en PHP. Il existe une extension pour ça, qui s'appelle pthreads. Mais. Je crois pas que ce soit un truc orienté prod, et puis de toute façon c'est du PHP donc c'est pas adapté à ça. Comme si vous me disiez, je peux faire du WebSocket en PHP, je suis sûr que tu peux faire du WebSocket en PHP, sauf que WebSocket, bah, c'est pour des processus qui s'exécutent longuement, PHP n'est pas fait pour ça. PHP il est fait pour qu'on ouvre un process, le process il fasse son travail, et qu'ensuite on tue le process. Voilà. Enfin, le process s'arrête. Bon.
Et donc le multithread, c'est-à-dire qu'on ouvre un process, le process il va ouvrir des threads, qui vont exécuter des tâches en parallèle, des tâches de calcul. Et donc chacun de ces threads a accès vraiment à la machine. Donc chacun de ces threads peut faire des calculs, peut accéder à des fichiers, ouvrir des fichiers, faire des connexions HTTP, etc. Le problème c'est quand vous avez plusieurs threads en parallèle, il faut que parfois certains threads communiquent entre eux, ou alors que certains threads fassent des actions qui peuvent interférer sur le comportement des autres threads. Et c'est à ça que servent les verrous, les locks. C'est à faire en sorte que là, la sortie standard, elle est verrouillée pour ce thread-là. J'ai qu'un seul thread, mais tant pis, si jamais un jour j'ai plusieurs threads dans ce projet-là, qui sont utilisés, du coup j'en aurai qu'un seul qui sera capable d'utiliser la sortie standard. Les autres, ils pourront pas écrire dessus. Il y aura une erreur dans le thread qui dira « Attention, t'as essayé d'accéder à une ressource verrouillée. » Donc une fois qu'on a ouvert un verrou, on a récupéré un pointeur vers la sortie standard verrouillée, et qu'on a créé un buffer d'écriture, donc comme je vous le disais, hein, l'équivalent d'un fopen, on va pouvoir écrire dedans. Donc on va utiliser la fonction say, la fonction say qui provient de ferry say. Ce qu'on lui envoie, c'est des infos à afficher sur la sortie standard, message as bytes, donc c'est une fonction dans les l'objet string qui permet de récupérer uniquement les bytes. D'ailleurs, si je regarde la sortie, ça me renvoie un tableau d'entier. Et les bytes. Donc si vous avez déjà pris quelques renseignements sur l'Unicode, vous savez que l'Unicode, une chaîne de caractères, c'est une suite d'octets, une suite de bytes. D'accord. Le truc, c'est que l'Unicode fonctionne de telle façon à ce que des fois, certains caractères visuels correspondent à une suite de 2 octets, 4 octets, 8 octets, etc. UTF-8, c'est 8 octets. Et UTF-16, 16 octets. Ça va jusqu'à 16 octets. Et donc, par exemple, avec UTF-16, un caractère peut être encodé sur 16 octets. Et donc là, quand on demande message as bytes, eh ben on va prendre notre chaîne de caractères et on va récupérer tous les octets un par un et on va envoyer ça. Peu importe ce qu'il y a dedans. Peu importe que ce soit de l'Unicode, pas de l'Unicode, de l'ASCII, on envoie juste les bits, les octets, directement à la sortie. Et ça tombe bien parce que la sortie standard, ce qu'elle veut, c'est des octets. Et après, c'est le terminal qui reçoit l'information qui va les transformer en caractères. D'accord ? Donc on fait la transformation dans les deux sens. Donc ici, on prend notre chaîne de caractères, on la transforme en octet, on l'envoie au terminal. Le terminal, du coup, il va récupérer les octets, il va falloir qu'il se décide qu'est-ce que j'en fais. Il va les transformer en des caractères visibles que nous, on va voir sur le terminal. On lui dit combien d'octets on écrit. Donc width, voilà. On peut l'appeler length aussi. Voilà. Width, length, n'importe. Et ce qu'on lui envoie ici, c'est le buffer d'écriture. Donc en gros, say est capable d'écrire sur plusieurs buffers d'écriture, donc je pourrais très bien créer plusieurs buffers d'écriture et exécuter say sur plusieurs buffers d'écriture différents. Voilà. Donc là on voit ça, et du coup il va utiliser ça pour afficher l'information par le biais du buffer, et donc si le buffer est sur stdout, ça va l'afficher sur mon terminal. Exécutons ce code. Alors cargo build, vous allez voir, il compile les dépendances, tout ça, ça fait beaucoup de travail. Qui est fait par Rust dès le départ. Alors clap, c'est un truc qui permet de faire de la ligne de commande. WinAPI, c'est un truc qui permet de récupérer des détails, c'est des fonctionnalités spécifiques à Windows. Ferry Says, on l'a vu, donc ça permet de faire exactement ce qu'on va faire. Donc cargo build, si je le refais, vous voyez, il reprend ce qui a déjà été compilé. Cargo run, il reprend ce qui a déjà été compilé et il affiche. C'est aussi simple que ça. Donc là, on a vu vraiment le processus d'exécution d'un copier-coller, mais au moins on sait comment ça marche. Vous avez des questions sur ce qu'on a vu? Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Ah oui, il y a peut-être un décalage sur le temps où moi je pose la question, le temps que vous recevez la question, le temps que vous écriviez la question, et ensuite le temps que moi je vois la question. Bon, il peut y avoir jusqu'à 30 secondes. Je suis tout seul dans le chat ou quoi? Ça se demande d'afficher les participants du chat, il n'affiche que moi. C'est pas possible. Pas tout seul. Pas de question. Ah, je suis pas tout seul. Je me disais bien que c'était pas tout seul.
YouTube qui n'affiche pas le bon nombre de participants. Pas de question pour Fred, mais je m'en doute bien, à mon avis, Fred, toi, t'avais dû poser la question, ça qui est pas quelque part. Bon. Super, le parallèle de l'expression, je vais faire super. Bon, maintenant, si vous êtes motivé, j'aimerais bien que vous me proposiez des use cases, le truc à développer en Rust et qui pourrait être développé en PHP. Alors évidemment, il va falloir se limiter un peu. Ah, on va tout de suite faire des grosses applis web. J'ai pas besoin de faire un gros truc en React avec API Platform et tout ça. Non, voilà des trucs assez simples qu'on puisse faire en Rust et en PHP. Je vais commencer par en faire un petit. Je vais le mettre, du coup, je le découperai pour faire une autre vidéo aussi, histoire de séparer un peu. Je vais avoir beaucoup de montage à faire là. Pour l'instant, j'ai 1h50 de rush. Ça va être joyeux. Bref. Et donc du coup, si vous avez des idées de petits projets pour s'amuser à faire en Rust et en PHP. L'idée ce serait que je fasse des vidéos pour coder en PHP et ensuite le coder en Rust. Qu'on voit vraiment la différence et surtout les changements de paradigme. En fait, on va changer de paradigme, le but de la sortie ce sera la même chose, mais le paradigme n'est pas du tout le même. D'ailleurs, l'exemple que je vous donne par le biais de Rinfuni, là, mon petit projet open source, enfin mon petit, il commence à grossir. Un exemple tout simple que je peux vous montrer, c'est vraiment ça. Symfony, le binaire Symfony, il est développé en Go. Et moi, je veux faire la même chose, mais en Rust. Voilà, voilà un exemple. Alors après, Symfony, c'est un gros truc. Voilà. Mais si je fais, si je retourne sur Symfony et que je fais Symfony local PHP list, il m'affiche la config de PHP qu'il m'a trouvé, et si je fais cargo run PHP list, il va m'afficher mes versions de PHP. La sortie n'est pas exactement pareille, puisqu'il n'y a pas la coloration au même endroit, le tableau est pas aussi. Le tableau est bien propre pour le binaire Symfony, alors que pour moi il sera pas aussi propre, parce que la gestion des tableaux c'est pas la même. Ouais, j'ai pensé que ça va marcher. Ouais, j'avais commencé à travailler sur des trucs et c'est pour ça qu'il m'affiche des alertes en fait. Allez! Parce que là, du coup, il recompile. En fait, la rapidité de compilation, elle dépend de la façon dont vous codez votre projet. Plus vous avez mis de if imbriqués, des while imbriqués, des trucs comme ça, plus la compilation va être longue. Plus la quantité de bibliothèques que vous avez. Plus vous utilisez de bibliothèques, plus c'est long. Là, ça va vite en fait. C'est-à-dire qu'il me dit qu'il a fait en 40 secondes. Mais en réalité, si j'avais rajouté toutes les dépendances, qui normalement sont déjà précompilées, hein, puisque j'ai déjà bossé sur le projet, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et c'est là qu'on peut ressortir XKCD Compiling. Cette légendaire planche de XKCD que vous connaissez déjà tous et toutes. Vous allez de nouveau pouvoir ressortir ça à votre supérieur. Donc vous allez coder en Rust. Voilà. Bref, c'est fun, moi j'aime beaucoup. Donc bref, du coup, ouais, si je le réexécute, alors évidemment il me raffiche les warnings, mais si je fais juste target debug.exe, il m'affiche plus les warnings. Donc, Symfony, voilà. Voilà la différence entre les deux. Symfony, il va me surligner la version qui est la version système, ici, enfin, la version utilisée plutôt. La version utilisée sera surlignée, la version système sera cochée ici. Il met ça en couleur. Vous voyez que le pipe ici, il est mieux. C'est pas le même pipe. Il faut que je corrige ça aussi, un problème visuel. Il affiche le dossier dans lequel se situe le binaire. Moi, je l'affiche pas. Je fais ça directement. Voilà, il y a des petites différences. Prochaine étape, gérer le point PHP version et tout ce qui est Symfony Cloud. Rien à foutre. Le but, c'est pas de refaire Symfony Cloud. Le but, c'est vraiment de refaire la partie locale. C'est la partie que l'équipe de Symfony n'a jamais voulu open sourcer.
S'ils le font un jour, tant mieux, c'est-à-dire que moi j'aurais plus besoin de le faire. Mais je doute qu'ils le fassent un jour, mon ami. Ou autre chose à faire. Alors, est-ce que je voulais revenir? Oui, si, changement de paradigme. Et du coup, vous voyez que la sortie est quasiment pareille, mais le paradigme n'est pas le même, puisque Symfony fait en Go et Rukumi fait en Rust. Ça pourrait être intéressant de recréer trait pour trait l'implémentation de certains outils. J'avais pensé, par exemple, alors, ce serait un travail de titan, mais si vous avez envie de faire quelque chose, lire l'intégralité de la spécification de Mercure et de créer un hub Mercure en Rust. Alors l'intérêt serait nettement discutable, puisqu'on a déjà une super implémentation en Go pour le hub Mercure. Par contre, ce qui serait intéressant, ce serait de réussir à faire ça au complet, de faire toute l'implémentation de toute la spécification, et de faire des benchmarks. Voilà. De voir si Rust est plus rapide que Go. Mais du coup, il faut tout refaire. Voilà. Donc voilà, moi j'aimerais bien que vous puissiez faire ça, des petites questions, de poser des petites questions, des petites idées de projet. Donc là, moi je vais en faire un. Et je vais mettre ça dans une autre vidéo. Donc hop, 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 hop. Sinon, je pense que j'aurais pas besoin, à mon avis, de. Je pense que j'aurais pas besoin de mon navigateur. Bref. Hop. Donc, je vais recommencer comme si c'était une nouvelle vidéo. Et on va faire ça là. Alors, pour la suite, du coup, j'ai posé des questions à pas mal de monde pour essayer de voir si vous aviez des idées de projets à réaliser en PHP et en Rust. L'intérêt, c'est vraiment qu'on puisse le faire vraiment en PHP pur. Donc, on va se concentrer sur des petits trucs. La ligne de commande, parce que c'est plus simple, plus rapide. On va le coder en PHP, et ensuite on va le coder en Rust. Donc là aujourd'hui, moi ce que je vais coder, c'est un truc vraiment ultra simpliste. C'est le tout premier truc que j'ai codé dans ma vie. Et pour les personnes qui ont fait du basique il y a 25 ans, c'est peut-être aussi le premier truc que vous avez codé en basique. C'est un truc pour afficher les tables de multiplication. Moi j'ai codé ça à l'époque. Enfin, je l'ai pas codé, j'ai eu un guide pour le coder. Bref, j'ai été aidé, mais c'était ma première introduction à la programmation. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un script qu'on peut exécuter. On lui passe un argument qui est un nombre. Et ensuite, ça nous affiche l'étape de multiplication. Alors, on pourra le faire aussi pour afficher multiplication ou addition ou soustraction. Bref, là, je vais me concentrer uniquement sur l'étape de multiplication, parce que ce sera largement suffisant pour le faire en PHP et en Rust. Donc, l'idée, c'est qu'on le fasse d'abord en PHP. Donc, je vais commencer à créer un dossier. Donc, dire mult. On va l'appeler mult. Et on va faire cargo new. Ah zut, là, cargo init. Voilà. Donc, vous l'avez vu, cargo init, ça va créer un projet. Vous avez vu qu'il a fait la même chose que ce que fait Symfony new quand on crée un nouveau projet Symfony. C'est-à-dire qu'il va créer une branche git. Git. Statut, vous voyez qu'il m'a déjà mis tout dedans, donc il y en a un, commit, m, init, project, cargo, project, oui, j'utilise git commit moi-même. Et surtout, je vais ensuite créer le fichier PHP, donc celui qu'on va faire en premier. Alors, on va tout mettre dans un seul fichier pour PHP, ce sera plus simple. Project.php, je vais même l'appeler mult.php. Allez. Et, allez. Commit, amend, no edit, un alias. Si vous vous posez des questions sur mes alias, etc., c'est dans mon repository de .files, petit aparté, j'ai un fichier gitconfig dans lequel j'ai voilà, plein de devs qui ont beaucoup de files. Ah mince, faut que je recommence tout. C'est pas mon IDE. J'ai tout recommencé. Ah zut. Mon rm-f, il marche pas. Je vais faire ça. Sinon, c'est del slash q slash je sais pas quoi, machin. On va recommencer. Merci, Dylan. Parce qu'on voyait pas mon IDE. Et c'est un peu con. Hop. Donc, du coup, on va faire cargo new. Avec le truc de table de multiplication et tout ça. Et on va l'appeler mult.
c'est des mults. On va faire le petit fichier PHP, mult.php, et add git commit init cargo object. Et ensuite, je vais l'ouvrir dans mon IDE. Vous avez vu, hein, cargo new, ça a créé la branche git, tout ce qu'il faut. Et là, on n'a plus qu'à coder. Donc déjà, j'ai le main.rs qui est fait. Je peux même faire un cargo run si je veux. Il va juste m'afficher hello world. Voilà, c'est très bien. Et mon index.php ici. D'ailleurs, la même chose peut être faite pour le cargo.lock. Je ne l'ai pas versionné, mais je vais le faire. Ah, ok. Ah oui, il m'a ajouté le point lock et git cman commit amend no edit. Donc si vous avez des questions sur les alias que j'utilise, comme git cmane, donc man, ou sman, comme ça, vous pouvez regarder sur mes .files. Donc la plupart des devs ont un repository qui s'appelle .files. C'est vachement pratique puisqu'en fait ça permet de stocker de la configuration. Enfin, on appelle ça des .files parce que c'est des fichiers qui commencent par point, git config, point vimrc, etc. Et moi j'ai mon propre repo, enfin de toute façon c'est à charge d'exemple et pratico-pratique pour vous, puisque c'est le but c'est de stocker vos fichiers de config. Et dans mes d'autres files, j'ai mon point git config. Voilà, petite doc vite faite pour les personnes qui ne connaissent pas, default branch main, voilà, qui n'a pas été pris en compte d'ailleurs dans mon projet, puisqu'il a fait avec master. Et j'ai plein d'alias ici, et voilà. Kman c'est un alias pour commit amend no edit. Voilà. Et ça inclut les éléments qui sont dans la staging area de Git. J'ai 2-3 autres trucs. J'aime bien le JC all. Si vous avez un projet avec un repo Git qui pèse 2 gigas, faites JC all. Il y a fort à parier pour que ça vous aide à faire à réduire le poids. J'avais ça justement avec au moment où j'ai créé la petite commande JC all. J'avais fait ça sur un repository qui prenait presque 5 gigas et il restait plus de 350 mégas. Alors par contre, faut faire super gaffe parce que ça supprime tout l'historique en dehors de l'arbre Git. C'est-à-dire que la seule chose qui va rester, c'est vos branches. Et vos branches et vos tags. C'est tout ce qui va rester. Les branches locales aussi, évidemment. Mais tout ce qui est les branches orphelines, tout ce qui est leur flog, ce genre de choses, tout ça, ça disparaît. Il n'y a plus de place. Voilà. Parce qu'effectivement, quand on bosse très très longtemps sur un projet, qu'on fait des rebase très souvent, ça peut vite devenir très très long. Donc là, ça supprime tout. Alors ça peut être très long par contre. Voilà, 5 gigas, je pense que ça m'a dû prendre une bonne dizaine de minutes. Bref. Il y a aussi git changelog, je sais pas si je l'ai mis. Non, il est là. C'est dans les bins. Si vous avez un fichier bin, un fichier exécutable qui commence par git tiré, ça vous permet d'exécuter ce qu'il y a après le tiré comme une commande git. Alors git-changelog, c'est l'équivalent de git espace changelog. À partir du moment où git-changelog est dans le path. En fait. Vous voyez que ça fait tout un tas de trucs qui va vous permettre d'afficher en fait le changelog entre le dernier tag et la version actuelle. Donc c'est à faire avant un tag. En fait. Avant un git tag, vous faites un git-changelog. Hop. Donc nous on va l'appeler mult comme on a dit, et on va d'abord le coder en PHP. Comment on fait pour récupérer une valeur depuis le terminal en PHP? Une question. Alors, je vais juste mettre le stream en pause. Alors, répondez aux questions, je mets juste le stream en pause 2 secondes. Le temps, ça devient une file à passer, urgent, visiblement. Comme ça, dites-moi comment on fait pour récupérer la valeur dans le terminal. À tout de suite. Thank you.
De retour. Bon, j'ai pas vu de réponse, tant pis. On va récupérer ce qui vient du terminal. Donc, PHP, get. On va faire ça comme si on était des débutants. Prompt, cli, par exemple. Ce qui est bien, c'est que Google est très intelligent et que PHP est très bien fait. En règle générale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Readline. C'est le plus simple. C'est vraiment le plus simple. Et on va lui spécifier un prompt, c'est-à-dire ce qu'on va lui afficher juste avant de lui demander le contenu de la variable. C'est tout. Donc on va faire ça, on va juste lui demander un truc. Alors, donc, number égale readline indiqué nombre. Voilà. Et ensuite echo number. On va juste faire ça pour l'instant. Hop, je fais index.php, ah, non, multi.php. Indiquer un nombre, ah, 1, ça affiche 1. Indiquer un nombre 2, 3, ça affiche 3. D'accord? Ok, alors, do, je vais faire ça dans un do while, parce que je vais le valider. Si c'est pas un nombre, dans ce cas-là, moi je suis pas d'accord. Oh non, j'avais oublié qu'il fait ça, je suis obligé de mettre des espaces moches. While. Number or is numeric number. Aussi simple que ça. Voilà, tout ce que je veux, c'est que number soit pas vide et pas numérique. Donc si je mets 0, ça fait rien. Si je mets rien, voilà, ça marche pas. 2, ça marche. Donc ça c'est fait. Du coup, pour l'étape de multiplication, on va faire une boucle for i égale 0, i inférieur à 10. Alors on va commencer de 1 plutôt. I inférieur ou égal à 10, i plus plus. Et on va juste afficher echo donc i multiplié par non c'est number fois i égal. Et là on met number fois i. Voilà, on va rajouter un petit peu de styling. On se prend vraiment pas la tête. Hein. Voilà. C'est tout. Ok. L'avantage, c'est qu'en PHP, c'est rapide à faire. Je pense que je vais transformer ça pour un appel en printf. Ici aussi. Ah, j'ai un petit souci là. Ouais, effectivement. Printf. Ouais, c'est pas joli, on va mettre des printf partout. Et même carrément ensemble. Je vais faire ça de façon un peu plus jolie. Parce que du coup, on va. Si je le fais comme ça, c'est pour une bonne raison, c'est qu'en Rust, on va voir. Si, ça sert à grand chose, Frédéric, le not number, parce que le 0, c'est numérique. Moi je veux pas de table de 0. Ça sert à rien une table de 0. Table de multiplication. Oui, c'est vrai. Sprintf. Ah, j'avoue, merci. J'ai tellement l'habitude de Sprintf que du coup j'avais complètement oublié. Donc, on avait dit number i et number for i. Voilà. C'est tout. Eh oui, parce que si je mets 0, moi je veux pas. Alors, effectivement, si j'enlève not number, je suis à table de 0. Mais je pense que c'est pas le summum de l'utilité. Voilà. 1, ça marche. Ok. Jusque là, ça va. Autre truc qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que cette fonction soit affichée tout le temps. Donc je vais mettre un while true ici. Hop. Là, je vais mettre ça. Hop. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai codé quand j'avais 7 ans. Et j'avais fait en basique à l'époque. J'ai aucun souvenir de comment on le ferait si je devrais le faire en basique aujourd'hui. Mais voilà ce que ça donne en PHP. Voilà. Table de multiplication, simple.
Hop. Maintenant, faisons-le en Rust. On va faire les choses petit à petit. D'accord? On va rechercher. On va faire ça comme si on était vraiment débutant. On va chercher comment on fait en Rust pour récupérer des informations depuis, depuis le terminal. Donc, Rust, prompt, voilà, command line prompt, on le trouve. Alors, on peut utiliser une bibliothèque. Effectivement, je pense pas du tout que ce soit la meilleure façon de faire. Je pense que lui, il va nous proposer des choses un peu plus sympas. Dans le book. Voilà. Bon, je suis tombé tout de suite sur la bibliothèque, c'était peut-être pas le mieux. Moi, je voudrais un truc natif. Je veux pas tout de suite avoir des dépendances. Bah, j'en ai pas pour PHP, donc j'en veux pas pour l'instant pour mon projet. Donc, on va utiliser la bibliothèque standard de Rust. Et dans la bibliothèque standard, il y a un composant qui s'appelle IO. IO pour input-output. Et dedans, il y a plein de trucs. Voilà. Si jamais je veux savoir ce qu'il y a dans une bibliothèque, comme ça, donc STD IO, je peux faire un contrôle-clic dessus et vous voyez qu'il m'affiche toute la doc. Donc la doc c'est 2 slash point d'exclamation, comme ça que Cargo génère de la doc. Et vous voyez qu'il me l'a, il fait un parsing de tout ça, hein. Je suis capable de voir la coloration syntaxique et puis même je peux faire des contrôle-clic dessus quoi, sur le code stdio. Et en fait là je suis dans le mode.rs de stdio et j'ai tout ce qui correspond au package stdio. Vous voyez qu'il y a plein de trucs, buff, read, bytes, chain, cursor, diref. Alors vous voyez, ça c'est un truc qu'on va pas voir aujourd'hui, mais c'est un trait en fait. Et on va implémenter ce trait pour cette structure. Nous en PHP, on fait classe machin, on met notre accolade, et dans les accolades qui sont correspondant à cette classe, on va écrire use, suivi du nom du trait. En Rust, si on veut faire ça, on écrit impl, donc pour implémenter. On va implémenter ce trait pour cette structure. Vous occupez pas de ce qu'il y a dans les chevrons, la côte A et tout ça. Ah, implant, est-ce que j'ai pas des implants? Voilà. Voilà, un exemple ici aussi. Implement drop for guard. Donc ça, on va implémenter un trait qui s'appelle drop pour une structure qui s'appelle guard. Voilà. Donc dans les précédentes questions que j'avais eues, c'est est-ce qu'on peut faire de la PO avec Rust? Oui, mais ça ressemble pas du tout à ce qu'on fait en PHP. Là, on définit une structure et après on va implémenter dans cette, un trait dans cette structure. Le trait, il a une définition. Voilà. En PHP, on fait trait suivi du trait. Là, c'est public, trait, drop. Donc les traits peuvent être publics ou privés. Donc petit aparté léger. Et donc dans IO, il y a la fonction stdin, qui est donc le flux d'entrée. Ok. Stdin, et dans ce flux je peux lire le contenu et ce contenu je dois le placer dans une variable et donc c'est là qu'on va avoir quelque chose de très intéressant. C'est tout au tout début là il va me laisser une erreur. Au tout début je vous avais expliqué que quand on crée une variable par défaut, par exemple donc my number, on va mettre une chaîne de caractères par exemple. Vous avez vu que le type c'est str. Et en fait, quelque chose que j'ai pas précisé de façon explicite, c'est que par défaut les variables sont immuables. On peut pas changer le contenu qu'il y a dans la variable. PHP ça n'existe pas. On peut pas faire ça en PHP, c'est impossible. En PHP, vous avez toujours moyen de changer le contenu d'une variable. Même des variables d'objet. Des variables qui sont dans un objet, vous pouvez changer le contenu des variables dans un objet en PHP. Il suffit d'utiliser l'API de réflexivité, new reflection reflection. Property, vous mettez le nom de la propriété, le nom de la classe, vous faites property set visible et ensuite enfin set visible true et ensuite set value. Voilà, et vous changez la valeur de la propriété dans l'objet. Set value avec l'objet en lui-même et la valeur que vous mettez dedans et c'est fait. Voilà, en PHP on peut tout pirater. En Rust on peut pas, interdit. Donc par défaut, toutes les variables que vous avez créées sont immutable. En revanche, si vous voulez que la variable soit mutable, que vous puissiez la changer, donc moi mon nombre ce sera d'abord chaîne de caractères, ok. Non, c'est pas une chaîne de caractères, c'est un objet. Donc je crée une chaîne de caractères vide, d'accord. Faut que ce soit un objet, c'est comme ça. Et je lui dis que je veux qu'il soit mutable. Donc, let mutable variable my number qui a pour type string et qui contient string new, une chaîne de caractères vide.
Du coup, ça, je peux repasser. C'est induit. Donc, le type, il est inféré. C'est ça, c'est en français. Non. Et readline, ce qu'il accepte comme argument, c'est mute string. Self, ça veut dire qu'on peut utiliser self comme $10. Passons. Mais il a besoin d'un buffer. Que ben oui, on va lire ce qu'il y a dans le flux. Et on va bien le mettre quelque part. Ce quelque part, on le retourne pas forcément. On va le mettre dans le buffer qui est passé en argument. Et ce qu'il nous renvoie, c'est un result. Donc vous allez voir que result, c'est un enum. Donc là, c'est un result qui vient de IO, mais il y a un result qui vient de la bibliothèque standard. Et un result, c'est un enum, et un enum, c'est quelque chose qu'on n'a pas en PHP non plus. On peut faire des genres d'enum, avec des classes, des objets statiques, des choses comme ça, mais c'est pas du tout pareil. Le jour où on aura des vrais enum en PHP, ce sera super. Et vous voyez que ici, il nous propose de faire .expect fail to readline. Et ben, je vais vous le donner en 1000. Ça, c'est de la gestion d'erreur, presque comme si c'était des exceptions. Presque. À partir du moment où vous avez un objet result, les objets result de natif, ce sont des enum, toujours, ce sont des enum. Mais les enum, ils peuvent avoir que deux valeurs possibles, dans le cas du result. C'est OK ou erreur. Un résultat, c'est soit c'est bon, soit c'est pas bon. Donc là, on a des generics aussi, on en reparlera une autre fois, c'est pas du tout pour maintenant. Mais sachez qu'un result, c'est soit un result OK, soit un result erreur. Ça peut pas être autre chose. Et on verra ensuite que dans le résultat OK, il y a quelque chose, et dans le résultat en erreur, il y a quelque chose. Et quand on voit l'implémentation de result, qui est un enum, on peut implémenter result, on peut implémenter des fonctions. Il y a plein de fonctions. Alors, result. Alors, je fais CTRL-12 dans mon IDE. C'est un peu une promise en JS. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ça n'a rien à voir avec les promises. Parce que dans un result, le résultat, il est déjà fait. Il est déjà récupéré. C'est juste que c'est soit un résultat OK, soit un résultat erreur. Donc en faisant CTRL-F12 dans votre IDE, vous pouvez récupérer l'architecture du fichier que vous êtes en train de regarder et toutes les structures qu'il y a dedans. Donc là, il y a result, etc. Bon, il y a plein de trucs. Vous voyez que dans result, on a donc des trucs de base et on a surtout, par exemple, alors il est où ? Voilà, expect. La fonction expect, en gros, il va utiliser la fonction match, c'est l'équivalent d'un switch case. D'accord? Vraiment, match, c'est quasiment l'équivalent d'un switch case. Et comme je vous l'ai déjà dit, si vous savez pas ce que c'est que l'instruction match, c'est vraiment la même chose que ce qu'on va avoir en PHP 8. Et si vous savez pas ce qu'on va avoir en PHP 8, il y a des news partout. Voilà. Vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, PHP 8 match, et vous prenez, et il y a déjà de la documentation dessus. Donc il va match self. Donc self, c'est l'équivalent de $10 en PHP. C'est vraiment la même chose. Okay. Il va matcher self, donc il va se matcher lui-même. C'est un sort de switch 10, d'accord. Et si jamais le résultat en cours, c'est un OK, il va renvoyer le résultat en cours. Si c'est un résultat de type erreur, il va en gros lever une exception. D'accord. Cette exception, elle va exécuter panic, et panic, c'est l'équivalent de throw new exception. Donc du coup, c'est que une chaîne de caractères. D'accord. Donc panic, c'est une macro, vous voyez. C'est une macro qui peut vous permettre de lever des exceptions. Des fois, on en a besoin, des fois, on n'en a pas besoin. Alors, c'est du pattern matching à la OCaml. Je ne connais pas OCaml. Une sorte de assert. Oui, c'est presque ça. Il existe une fonction assert en Rust, qui est native, comme en PHP d'ailleurs, sauf qu'elle ne fonctionne pas tout à fait pareil. Mais c'est vrai que ça s'apparente à un assert. En gros, ce que ça veut dire ici, alors du coup, je vais quand même lui mettre ce qu'il attend. Donc, vous occupez pas de ce qui est affiché ici, hein. Ça veut juste dire que je lui injecte une référence mutable vers une variable. D'accord? Donc en gros, il va pouvoir modifier ma variable. C'est comme si on passait une référence mais qui est mutable. Non, je crois que ça, c'est pas obligatoire. Si, c'est obligatoire. Donc il faut que ce soit mutable. Alors, pour expliquer ce qui va se passer ici, en gros, si jamais il n'est pas capable de lire le contenu de stdin, il va lever une exception
qui va nous afficher un message d'erreur dans la sortie. En revanche, s'il y arrive, il va nous retourner le résultat de readline. C'est à ça que sert un result. On peut aller plus loin. Let result égale new readline. Ok. Vous voyez, j'ai un result et dedans j'ai un usize. Usize, c'est un entier qui dépend de votre architecture. Donc ça, c'est géré à la compilation. D'accord. Et donc result ici, il a plein de fonctions. Donc expect failed to read. Ok. Ce que ça veut dire, c'est que le résultat m'est renvoyé ici. Donc, let number égale result. Donc vous voyez, il a pu inférer le type. Donc readline renvoie un result et dans le result il y a un usize. Si je fais result expect fail to read, eh bien soit il va me lever une exception en affichant fail to read, soit il va me retourner le résultat. Donc le contenu du résultat, à savoir un entier. Usize, c'est un entier. Ok? C'est équivalent d'un integer, mais il y a plusieurs types d'entiers. Et si vous savez pas pourquoi il y a plusieurs types d'entiers, je vous invite à vous renseigner sur le truc le plus proche de ce qu'on a dans l'univers PHP, à savoir les types de nombres dans une base de données. Tiny int, int, etc. Vous avez unsized unsigned, pardon. Donc U c'est pour unsigned. C'est un entier non signé. C'est un entier qui va de 0 à un certain nombre. Ok. Donc c'est pareil, c'est un genre de... Ouais, finalement, maintenant tu le dis, tu parles de pattern matching à la OCaml, mais je pense qu'effectivement, même si je ne connais pas le pattern matching, le nom pattern matching, ça me fait penser que c'est probablement similaire. Probablement. Sachant que ici, je peux aussi, au lieu d'envoyer un message, je peux juste faire unwrap. Vous allez voir ça très souvent. Unwrap, vous allez le voir vraiment, vraiment très souvent. Je me répète et j'insiste. Parce qu'en fait, unwrap, c'est l'équivalent de, tu récupères le résultat, donc le contenu du résultat, le contenu de l'objet result. Et si ça va pas, tu renvoies une exception, point barre. Voilà. Et une exception unwrap, c'est un truc standard qui dit called result unwrap on an error value. L'avantage de faire ça, c'est que vous ne vous souciez pas du message d'erreur. C'est assez pratique quand vous êtes quasiment certain qu'il n'y a pas d'erreur possible. Et là, très honnêtement, pour readline, je pense qu'il y a très peu d'erreurs possibles. Sauf si il est impossible à Rust de lire dans stdin. Ça m'étonnerait. puisque tous les process ont un flux vers stdin. Normalement, unwrap, ça devrait pas renvoyer d'exception. L'avantage, c'est que si jamais à un moment donné, vous avez un unwrap qui renvoie une exception, bah, c'est peut-être que vous auriez dû utiliser expect. Parce que les deux renvoient le résultat. Hein. D'accord? C'est juste que, dans les deux cas, si jamais l'erreur est de type OK, on retourne ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est un usize. Donc c'est, on retourne un usize. Et si l'erreur est de type, enfin, si le résultat est de type erreur, ça renvoie une exception. Ça fait panique. Ça stoppe le process. Et ça renvoie un code différent de 0. Ça renvoie un exit code différent de 0. Ok, donc là j'ai un nombre. Je vais l'afficher. Hop. J'affiche mon nombre. Hop, on va essayer. Cargo run. On va voir si ça marche. Il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? Parce que j'ai pas encore écrit le message de le message explicite. Donc, j'ai oublié ce qu'on avait en PHP, à savoir le fameux indiquer un nombre. Et oui, parce que PHP, readline, il affiche directement ça, mais on n'a pas ça en Rust, donc on est obligé de le faire à la main. Print. Indiquer un nombre. Alors, aussi, un autre truc que vous allez voir, il n'est pas possible d'écrire des chaînes de caractères avec des guillemets simples. Le guillemet simple, c'est un opérateur qui est utilisé pour les lifetimes. On ne verra pas ça maintenant. Donc, les chaînes de caractères, c'est toujours des guillemets doubles. Je vous garantis que depuis que j'ai commencé à faire du Rust et que je reviens à PHP, c'est dur de revenir au guillemets simple. Mais oui, il faudrait revenir au guillemets simple. En PHP. C'est juste qu'en Rust, on n'a pas le choix. D'ailleurs, je crois qu'en C aussi. Oh, je sais plus. Bref, donc je recommence. Cargo run. Il ne l'affiche pas. Il y a un nom. Il ne l'affiche pas. Ah oui, donc je l'ai. Eh non, ça marche pas.
Peut-être que j'ai oublié autre chose. Ouais, voilà. Je pense que, à mon avis, il n'y aurait pas dû. Ah, c'est bizarre ça. Bref. Bon, le print il marche pas visiblement. Si je mets un saut de ligne avant. C'est pas grave, non, ça marche pas non plus. On va utiliser println, tant pis. Ce sera très bien, indiquer un nombre. On va mettre 5 et A, ça affiche 3. Je ne sais pas pourquoi ça affiche 3. Ah bah oui, U-size, c'est un entier. Moi ce que je veux c'est une chaîne de caractères basée sur cet entier. Donc en fait, j'ai pas besoin de ça, puisque je l'ai ici. Voilà, c'est tout le problème, c'est que là on récupère la taille, enfin les octets. Donc moi je veux my number. C'est d'ailleurs pour ça en fait que ici dans l'exemple on récupère pas le résultat. Donc, je vais faire pareil. Hop, on va juste rajouter le expect qui va bien au cas où. On va indenter tout ça de façon à peu près propre. C'est exactement ce qu'il y avait dans la doc, mais maintenant on comprend pourquoi ça marche, on comprend comment ça marche. Donc il va lire le terminal, ce qu'il y a dans le terminal, il va le mettre dans myNumber, c'est une variable mutable, et là je lui envoie une référence, donc il va modifier le contenu de la référence. S'il n'y arrive pas, il va m'écrire fail to read avec une grosse exception, tu vois, tout va bien. Là je lui affiche, donc maintenant, moi ce que je veux faire maintenant, c'est je veux faire ma petite boucle. Il existe de quoi faire les itérateurs. Hop, pour i in 0, 1, 10. Donc il y a cette petite syntaxe sympa qui est l'équivalent de la syntaxe range dans Twig, c'est ceux qui font du Twig. Enfin, assez connu, en gros, c'est l'équivalent de on prend les nombres de 1 à 10. Voilà. Et donc pour chacun de ces nombres, je vais faire un autre println. Hop. Et là, je vais mettre ça fois ça. Égale ça. Et donc dans les variables, je vais mettre d'abord, attention, on va commencer à avoir des problèmes ici. MyNumber, je suis pas sûr que ça passe. Et oui, il va y avoir des problèmes avec le bureau checker. Il va y en avoir, ça va être galère. Peut-être que je peux utiliser une clause. On va voir. On va le faire. On va le faire. Là, ça va pas. Là, ça va pas fonctionner. Number, i et ensuite my number ouais, i. Alors je doute que ça compile. Ça compile pas. J'ai oublié une virgule, évidemment. Ça compile pas. Et oui, parce que my number c'est une chaîne de caractères. Donc let int number. Alors. Vous savez quoi? Je sais comment on caste un nombre en chaîne de caractères en Rust, mais je sais plus comment on caste un nom, une chaîne de caractères en nombre. parce qu'on a oublié de faire la vérification de est-ce que number c'est un nombre. Donc number, non c'est string to number Rust, parce que je me souviens même plus. Et je l'avais déjà fait, mais je ne m'en souviens plus. Parse. C'est ça. Alors, let int number. Alors, on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que je peux même écraser my number. Donc, let my number. On va mettre ça sous forme d'un entier. Alors, c'est my number parse. Et il faut que je lui spécifie le type. Et vous voyez qu'on le spécifie ici. Alors c'est un peu chelou. Mais c'est comme ça. Et si je fais ça, 32, ça va marcher. Non, bah non, j'ai un résultat. Unwrap. Alors pour l'instant, je vais utiliser unwrap. Parce que c'est un résultat. Il va inférer un résultat. C'est compliqué, ça devient compliqué, mais c'est fait exprès. C'est normal, c'est Rust. Voilà. À force de faire du Rust, on s'y habitue, clairement. Donc là, ce que je veux, c'est parser mon nombre d'une chaîne de caractères vers un nombre. Il faut que je lui dise, hein, hop, if32. Voilà. Vous voyez que je lui dis que je veux parser
dans un nombre. D'ailleurs, je peux même aller plus loin, faire U32 ou U16. Voilà. On n'a pas obligé de faire, on peut parser sous plein de formes d'entiers. Et il va adapter ici la type inference. Il va détecter PHPStorm dans quel genre de résultat je vais lui parser. Donc là, j'ai un résultat ici. Donc on va matcher. On va utiliser la syntaxe match pour my number. Donc, on va même aller plus loin. Je vais vous montrer des petits trucs sympas avec la syntaxe de Rust. On va faire un match de ça directement. Match de ça. Et on sait que c'est un résultat. On sait, on vient de le voir. On sait que si je fais un match de ça, ce sera un résultat. Et donc du coup, je n'ai que deux choix possibles. Ok. On va juste écrire comme ça. Et error. Ok. Je n'ai que ces possibilités-là. C'est pas error, c'est R. Si c'est OK, dans ce cas-là, j'ai my number. Enfin un number. Dans ce cas-là, je vais lui dire de retourner my number. Donc la syntaxe courte, c'est ça. Je lui retourne le nombre. Si c'est bien un nombre, je lui retourne le nombre. Si c'est une erreur, en l'occurrence, je vais lui dire que c'est pas un nombre. C'est un truc qu'on n'a pas fait sur le PHP, mais sinon je peux faire ça aussi. Alors je peux même aller plus loin, hein, lui dire println. Ceci n'est pas un nombre. Voilà. On peut très bien. Ça va jusque là? On lit ce qu'on a, on obtient une chaîne de caractères qui est présente ici. Et ensuite, je vais matcher, je vais essayer de parser ça sous forme d'un nombre. Et c'est comme en Go et dans d'autres langages, on est obligé de gérer tous les cas d'erreur. Ouais, comment ça fonctionne? Et étant donné qu'on est obligé de gérer tous les cas d'erreur, ben moi je dois gérer aussi ce cas d'erreur. Ok? On pourrait aller plus loin, il y a 10 000 façons de le faire. Je vous ai montré une façon ici. Donc j'ai une variable qui contient un entier. Si j'ai une erreur, la variable ne contient pas d'entier. Je peux retourner un nombre à 0. Alors je crois que ça compile pas. Je commence ce code ici. Je suis presque sûr que ça compile pas. Voilà. Il a détecté que j'ai oublié de retourner un entier, parce qu'il veut un entier. C'est pas println qui fait ça, c'est pas unique. Je renvoie une exception. Voilà, j'ai 10 000 façons de faire. Je pense que je vais utiliser une façon ultra simpliste, mais vraiment ultra simpliste. C'est que je vais juste utiliser un autre alias de result. Là, vous voyez, hein, c'est un result. J'enlève le match. C'est un result. Et dans result, il y a aussi unwrap or. Donc du coup, je peux lui mettre 0. Si, donc unwrap, ça veut dire tu me retournes le résultat, et si c'est une erreur, tu me retournes 0. Ok? Tout à l'heure, je vous disais pourquoi, hein, je vous disais je veux pas de 0. If my number égale 0, ok. Parce que je veux pas continuer. On va passer à la suite. Okay. Donc my number, c'est bien un entier. Hop. Je vais réessayer. Je doute que ça compile. Si ça compile. Le println, par contre, il ne marche pas. Ah je vais mettre tout ça dans ma boucle while. While for. J'avais oublié. Je vais mettre ça. Oui, c'est vrai, je peux utiliser la syntaxe loop. Loop, c'est l'équivalent d'un while true. C'est utile comme syntaxe. Ça marche pas. Je pense qu'il lui manque un truc. Ah oui, c'est return. C'est break. Continue. C'est pas return, c'est continue. Voilà. Donc là, il a visiblement un problème avec le fait de parser le nombre. Donc je pense qu'il va falloir débugger tout ça. Je vais utiliser un wrap. Je vais voir pourquoi ça marche pas. Ouais, il y a un souci là. Super, c'est l'effet démo. Bah, je vais utiliser le match et puis on va faire ça autrement. Match. Hop, on va utiliser l'instruction match. Donc ok, number, on retourne number. Pas de souci jusque là.
Qu'est-ce qu'il dit? Oublie tout ça. Ouais, R. Hop, parse int error. Alors, l'équivalent d'un var dump, c'est dbg. C'est une macro. Je vais débugger E et je vais renvoyer 0. Ce qu'on avait dit, un unwrap or 0. Je veux juste voir pourquoi il nous renvoie une erreur. Invalid digit. C'est bizarre ça parce que théoriquement dans main number j'ai pas grand chose. Bon, essayons de débugger tout ça. Ouais, je choisis 8. Donc 8 c'est une chaîne de caractères et je vais la parser sous forme d'un. Bah ici, peut-être que je mets I16 ou I32, je sais pas. On recommence. Non, ça marche pas. Hein. Ouais, il y a un souci là. C'est con, c'est tellement con quoi. Ouais. Je crois que j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc débile. Je suis sûr que c'est ça. C'était tellement débile. Et oui, je me suis rappelé d'un truc. C'est qu'en fait, là on le voit pas, parce que quand j'affiche la chaîne de caractères dans le terminal, j'ai essayé de débugger avec choisi, là, je l'ai mis plus haut. Ici, choisi. Il y a un truc qu'on voit pas ici. Il y a un saut de ligne. Et ce saut de ligne, il vient d'où? Il vient de quand j'écris 5 ici, j'appuie sur entrée. Donc il y a un saut de ligne à la fin. Donc quand vous voulez récupérer le contenu, il ne faut pas oublier d'utiliser trim. C'est la même chose que prim en PHP. La même chose, vraiment. Sauf que du coup, c'est une fonction de la classe string. Donc je vais matcher number trim. Et donc du coup, là, effectivement, j'ai plus besoin de tout mon truc de débugage. Je vais juste le remplacer par unwrap or 0. Voilà, ça devrait largement suffire. Je vais enlever le match aussi, évidemment. On recommence. Si je mets toto, il me met 0 et donc du coup il se passe rien. Si je mets 0, il fait rien. Si je mets 5, il m'affiche ma table de multiplication. Et voilà. C'est fait. Donc il y a pas mal de différences quand même. Vraiment, je vais mettre les deux fichiers côte à côte. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de différences. Hein. C'est où? C'est à MoveWrite. Déjà, un truc qu'on peut voir, c'est qu'il y a moins de lignes de code en PHP. Ça, c'est clair et net. En PHP, donc on a une boucle infinie qui est générée à partir du while true, boucle infinie. On a l'instruction do while qui nous permet de faire des vérifications ultra simplistes. On va lire le contenu de stdin. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, je fais même pas de prim. Théoriquement, je devrais le faire. J'ai même pas besoin de backslash. Je devrais le faire. Hein. Donc je le fais, je le rajoute parce qu'effectivement, je l'avais oublié, mais c'est nécessaire. Hein. Parce que si jamais quelqu'un met 5 espaces, ou espace 5, ah, c'est pas super valide. Bref. Donc ça permet de pallier à ce genre de petit caméra. Donc, trim, fonction globale, readline, fonction globale, alors que ici, readline, c'est une propriété du flux stdin, donc du flux qui nous est renvoyé quand on fait appel au flux stdin. Donc là, rien que le paradigme est différent. Effectivement, ça peut faire penser à du functional programming. Dans le functional programming, on va quasiment pipe. On va pipe tous les appels. Donc pipe, c'est on prend la dot syntaxe et puis on met des points pour faire des appels de fonction les uns après les autres. C'est ce qu'on fait, on peut faire ça avec jQuery. Les personnes qui ont fait du jQuery, une fois vous écrivez le dollar quelque chose, puis après vous faites point machin, point machin, puis vous faites des appels de fonction en pagaille. C'est un peu le même principe. Manque le x10, ça veut dire que le 1.10 est exécutif pour faire 1.11 pour inclure le 10. Il manque le 10 tout à fait, il faut faire 1.11. En fait, in 1.11, c'est l'équivalent de for i égale 1, i inférieur à 11, i plus plus. Donc effectivement, bien vu, in, il manquait le 11. Voilà.
Donc effectivement, les itérations sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Bon, on a bien le 10. Merci Kevin pour la pour le pour l'avoir vu. Donc voilà, on fait readline. De ce readline, on trim le contenu et on exécute ça tant que le code n'est pas numérique. Tant que le nombre, tant que ce qu'on récupère n'est pas numérique. Ensuite, on fait une boucle de 0 à. Après, reach, range, c'est quand range 1, 10, as, v. Ah non, c'est i. Je suis pas tout à fait sûr que ça marche. Si, ça marche. Il n'y a pas de 1, triple point 10, comment tout. Ah, bonne question. Je crois pas. Essayons. Non, ça compte pas. Hein? Ouais, non, mais après, si vous allez faire des recherches sur Google pendant le live, ça va pas le faire. Effectivement, il y a la syntaxe avec le égal qui permet de le faire. Je vais faire go run. Voilà. Mais bon, ça, visuellement, c'est pas super pratique. Ceci dit, 1.2.11, c'est pas super pratique au niveau visuel non plus. Mais bon, bref, j'ai mis un for each range parce que ça fait la même chose, mais en soi, un for de 0 à 10, c'est pareil. Je pense que ça consomme plus de mémoire. Ça crée un tableau. Donc, dans le doute, on va essayer de maximiser l'impact mémoire. Et donc, ici, le code est un petit peu différent. Trim, parse, unwrap or. Ouais, je mets tout sur des sauts de ligne pour bien qu'on voit l'exécution. C'est pour ça que c'est proche du functional programming. Donc, on prend le flux stdin. On va exécuter readline qui va modifier le contenu de notre chaîne de caractères. Si jamais le résultat, c'est un résultat de type error, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à lire dans stdin. C'est au cas où stdin est bloqué par un autre thread, mais bon, on n'a qu'un seul process, donc on s'en fout. Qu'un seul process, c'est qu'un seul thread. Ou au cas où il y a un bug qui part dans votre système d'exploitation. Donc ça va modifier le contenu de myNumber. Une fois que c'est fait, on va réécrire, on va remplacer le contenu de myNumber en créant une nouvelle variable avec un nouveau type, le type i32. On récupère le précédent contenu de myNumber. Alors ça apporte un nom, hein, le fait d'écraser la variable en mettant un nouveau nom. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est marqué dans le book, mais ça porte un nom, variable override peut-être, tout dans le genre. On trim le contenu, donc là contrairement à PHP, c'est vraiment chaîner les appels avec la dot syntaxe. On va parser ça sous forme d'un i32, d'accord? Et si jamais il n'arrive pas à parser ça sous forme d'un i32, on va lui dire de renvoyer 0. Il ne renverra pas d'exception, du coup. Il ne va pas faire de panique, il ne va pas arrêter le script. À partir du moment où le result ici, le result i32 parsing error, à partir du moment où ce résultat est de type erreur, il va automatiquement renvoyer 0. Peu importe le type d'erreur. Si number est égal à 0, on continue. Donc c'est un petit peu l'équivalent de ça. D'accord? Donc là, vous voyez que nous, notre vérification, en réalité, elle est plus lourde. Un peu plus lourde. Parce qu'en fin de compte, là, on part du principe qu'une chaîne de caractères vides aussi doit être prise en compte. Il y a d'autres façons de faire. On aurait pu cast aussi en int. Si je le cast en int, c'est exactement ce que je fais de l'autre côté. Hein. Dans ce cas-là, on va juste pouvoir faire ça. Not number. Parce que du coup, ce sera un nombre égal à 0. Donc le problème, c'est que le fait de caster une chaîne de caractères en entier, des fois, ça peut donner 1. C'est pour ça que je l'ai pas fait, c'est pour ça que je ne le ferai pas. Et oui, c'est dangereux. D'ailleurs, il y a des modifications, je crois qu'il y a une RFC dans PHP, pour faire en sorte que caster un nombre en chaîne de caractères, caster un truc, quel qu'il soit, en booléen, ça change de comportement. Je crois qu'il y a une RFC pour ça. À mon avis, Fred, qui est dans le public, se souviendra peut-être mieux de ça que moi. Mais j'ai vu ça passer. Si il est égal à 0, continue, donc c'est l'équivalent de notre do while ici, hein. Mais on n'est pas obligé, hein. Je pourrais très bien faire ça, hop, et avec un petit if. Ah, c'est moche. Continue, voilà, si on veut vraiment reprendre le même workflow, c'est plutôt ça que j'aurais fait. J'aurais dû faire. Là, on a vraiment les mêmes concepts. Et ensuite, bah, la petite boucle hein, de i de 1 à 10, on fait un println, et là on fait un printf, et c'est strictement la même chose. Donc on a fait un petit script qui nous affiche nos tables de multiplication et à titre perso, j'ai pas de préférence pour la version PHP ou la version Rust ici. Tout simplement parce que là c'est à peu près sécurisé.
Ici, on s'assure bien que c'est un nombre. Donc même si à la fin, on a number qui est une chaîne de caractères, il va être automatiquement casté en entier ici. Voilà, il va automatiquement faire un entier. Ici, normalement, c'est le %d qui n'accepte qu'un nombre. Sauf que là, j'ai déjà fait une vérification de liste numérique, donc j'ai pas besoin d'être sûr que c'est un entier. Mais vous voyez toute la différence, en fait. C'est-à-dire que là, en réalité, j'ai une chaîne de caractères. En vrai, j'ai une chaîne de caractères. Mais je dis à printf de n'afficher que la version d'un nombre. Donc PHP, il va transformer cette chaîne de caractères en nombre. Ici, même chose. J'ai une chaîne de caractères, mais il va la transformer en nombre. Number, c'est une chaîne de caractères. Mais vu que je l'utilise avec l'opérateur multiplication, ben il va transformer la chaîne de caractères en nombre tout seul. Voilà. Alors que là, je fais tout à la main. Déjà, le parse ici me restreint le type. Et ici, tout ce qui n'est pas une chaîne de caractères, ça devient 0. Bon, contrairement à ici, tout ce qui n'est pas une chaîne de caractères ici, ce sera cette instruction qui renverra false. Donc ça, c'est vraiment la même fonctionnalité, mais le paradigme est vraiment différent. 31 hello qui retourne 31, c'est bien fun. Bah oui, c'est exactement ce qu'on va trouver avec PHP, parce que PHP il est pas très malin. Si je fais PHP mult, je fais 31 hello, là du coup le is numérique normalement il fonctionne pas. Vous voyez ? Parce que j'ai bien le is numérique. Si j'avais cast en nombre, je suis plus tout à fait sûr. C'est vraiment là du détail. Je vais retester. Ouais, voilà. C'est le cast en nombre qui pose vraiment problème. Is numérique, il fait les choses bien. Mais caster en nombre, là, par contre, ça va pas. D'ailleurs, je crois que espace 31 hello, ça le fait aussi. Et espace 31 32 hello, et ben ça me renvoie quand même 32. C'est quand même assez aberrant. C'est pour ça, à un moment donné, si vous codez en PHP et que vous utilisez des types stricts, etc., ben ça suffira pas. Il faut vraiment faire des vérifications propres. Je commence, 31, hello, ça marche pas. Et voilà pour notre petit script de table de multiplication. Je vous le remets ici et puis je le mettrai sur GitHub, je pense, juste pour le fun. Voilà. J'espère que ça a été clair pour tout le monde, et moi, je vais m'arrêter là. Vous avez des questions, des remarques, des choses comme ça? Pas une question, c'est plutôt une remarque. Les sondages Twitter de Fred permettent de découvrir tellement de choses sur PHP. Bah oui, tout à fait. Consultez les sondages Twitter de Fred, il en fait plein. J'espère un jour qu'il va transformer ça en une vraie application. Fred, c'est un bon document. je crois savoir dans mes souvenirs, je crois que tu stockes ça quelque part, mais je sais plus. Enfin bon, bref, ça serait bien d'avoir une vraie appli pour ça. Très fun. Et toi, un site. Bien. Bonne nouvelle. C'est en bêta. Quelqu'un fait ça. Ce n'est pas moi. Ah, ok. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vais m'arrêter là. Merci à tout le monde pour être venu sur ce live. Ça fait 2h50 qu'on est là. J'ai donc 2h50 de rush à traiter. Donc on se retrouve dans 8 mois quand j'aurai fini de traiter mes 2h50 de rush. Et je vous souhaite un bon week-end. Salut tout le monde.